I'm late. No. Thank you. You brought the medicine just in time. Can you stand? Where's Luis? He was worried about you. Till the end. Come on. We don't have much time. Let's get rid of these things. For Luis. Ada, come in. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facilities are housed in their sanctuary at the top of the mountain. That's where I'd look. Huh. Ada the Encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. Nous enfermer sans prévenir. Voilà. J'ai tout lu. J'ai du mal à lire les petits textes comme ça dans les jeux. Je crois que les seuls que j'arrive à lire, c'est les descriptions d'armes dans Dark Souls. Et encore. Alors, il faudra qu'elle vérifie. Tu fais gaffe, Ashley, aux punaises de lit, s'il te plaît. Hein, parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non. Ok, on dirait les lits près de Porte de la Chapelle. Où est-ce que je vais? Trou dans le mur. Ah oui, d'accord. Il me semble qu'on peut escalader, c'est ça. Mais j'ai loupé plein de trucs parce que j'ai fui. Attends, je vais te faire monter, tu vas m'ouvrir la porte. Mais j'ai fui dans le chapitre d'avant parce qu'il y avait des monstres partout, j'avais plus de balles, je suis qu'une merde, enfin, toutes ces raisons diverses et variées. Et j'ai pris une fuite de ouf. Désolé, Ashley, je me taille. J'espère que je vais pas me prendre un game over. Si je vais trop loin. Merci Ashley, quelle est cette serpente? Ok. Tu viens. Est-ce qu'on peut retourner? Est-ce que je peux aller me battre contre tous ceux que j'ai loupés? Je pense qu'il y a des objets que j'ai oubliés, tu vois. Poudre noire. Après, c'est pas si grave, mais j'aimerais bien en fait. J'ai pas d'autres balles. En vrai, j'ai que 10 balles donc. J'aimerais bien terminer le. Il y avait 4 zombies invincibles. Voilà, c'est ça. Lui, j'ai pas eu le temps de le terminer. Et si on regardait avec un fusil, on pouvait voir là, il y a du reste au niveau du ventre. D'accord, au niveau de mon cul aussi, apparemment. Attends, c'était là, là. Ah voilà, là. Mais non ! Là, ça y est, j'ai plus de balles. Attendez. Ah oui, je suis vraiment foutu, quoi. Ashley, attaque-le ! Et si je mets des coups de couteau dans le... oui, attends, je vais crever. Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Quel con. J'ai mangé un poisson. Là, il y a... Voilà. Ok. Voilà, c'est celui qui me manquait. Beau cul. Et comme ça, j'ai une alexandrite. On dirait une maladie. Ok, ils ont tous disparu, sauf lui. Et c'est là qu'il y avait de la poudre noire qui me loupait? Qui me manquait? Non. En tout cas, je suis content. J'ai réussi à tuer les 4. Je pensais qu'il y aurait eu un succès. Pas du tout. Après, ça m'a donné pas mal de diamants. Et si je vais là, il y a quoi là, en fait? Parce que là, c'est pareil. J'ai couru. Il y avait des monstres partout, faut me comprendre. De l'herbe jaune. Bah, je faillis louper une herbe jaune. Herbe jaune qui, je rappelle, permet d'augmenter la taille de... Non. C'est pas ce que vous pensez. Permet d'augmenter la taille de sa vie, quoi. Allez, des balles. Mais là, je suis vraiment limité en termes de balles. Mais après, c'est stylé, parce que ça fait vraiment survival horror, quoi. Vous voyez, là, il y a tous ces trucs-là. Non, mais je pense que là, j'ai tout. Hein. Salle de dissection, etc. En fait, je me souviens plus. Là, j'ai pas accès. Est-ce qu'il y a moyen d'y avoir accès? Et si oui, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je pense que je vais perdre du temps. Là-bas, des balles. Est-ce que je vais voir, quand même? Ah, il y en avait un autre, d'ailleurs, monstre, là-bas. Un monstre invincible que j'ai pas fini. Ah, sa race! Ils sont où tes points faibles, toi? Putain, ils sont... Oh oui, d'accord, mais il y en a deux. Bon, désolé, je sais pas. Oh non! Comment je peux faire? C'est ça la question. Comment je peux faire?
On va bouffer déjà. Oh là 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 là! Je pense que je suis foutu. Peut-être si je le décapite. Voilà. Ashley, tu viens. Non! Putain, Ashley! Je me suis mis dans une merde là. On se casse, Ashley. On se casse. On se casse. Viens, on l'oublie lui. Oh, il est bourré en plus. Avec 5 balles, je pourrais jamais l'avoir de toute façon. Et le couteau, trop dur. Beaucoup trop dur. Je sais pas ce que je viens de faire, je viens de viser mes balles, je suis nul. Ashley, tu m'en veux ? C'est vrai qu'il y a ce truc un peu ouf, c'est que au mec du magasin, là, on peut pas acheter des balles. Ah putain, qu'est-ce que je fais là ? C'est pas là, moi. Il me suit ou pas ? Non, c'est bon, hein. Ok. Ah, j'aime bien le détail, on voit le viseur rouge, là, sur mon arme, ok. J'ai plus de balles du tout. 5 balles. Tout ça pour aller perdre un peu de vie. Mais c'est le con, j'aurais bien aimé le tuer parce que je suis sûr que si je tue tous les invincibles, là il y a un succès ou un truc, mais avec 5 balles je peux pas en tuer deux. En fait, l'arme avec laquelle j'arrive à bien les avoir, c'est avec mon sniper. Parce que je peux mettre la lunette dessus et les balles elles font grave de dégâts. Donc en 3-4 balles. Munition de fusil. Ah! Est-ce que je vais y retourner, les amis? Je pense que je vais y retourner. 4 balles, ce sera peut-être assez pour en tuer un. Là, il y a un contrat. Des médaillons bleus. Ok, ça va être derrière moi, mais... Et j'ai jamais fait la salle de tir, et je vois qu'il y a peut-être des jetons à gagner. Je sais pas ce que c'est, mais... Je n'en avais jamais entendu parler, en fait, si vous voulez. I have something I think you like. I have something I think you like. Alright, ok donc. Là il y a un petit peu de ferraille. J'ai une clé à molette, ça vaut pas très cher, 500 balles. J'ai acheté aux puces de Saint-Ouen. Ok, j'ai peut-être. Je peux peut-être sertir les objets là. Ça je vais sertir plutôt. Tac. Bonus 1,1, c'est pas ouf, mais... Et là, j'ai que des ronds. Et, bah, attendez, je vais changer. Est-ce que ça fait plus de bonus ou pas? Vaut mieux avoir deux bleus. Ok, on fait comme ça. Qu'est-ce que je peux te vendre, toi? Donc l'horloge. J'ai pas tant d'argent que ça, j'aimerais réparer mon couteau. En fait, à chaque fois, je nique tout mon argent à réparer mon gilet pare-balles, ce qui fait qu'après... Je suis dans la merde, quoi. Ça, c'est vraiment pas puissant, mais je l'aime pas, cette arme, donc en fait, je m'en fous. Capacité, cadence de tir. On va peut-être augmenter la cadence de tir un petit coup. Mais non, j'ai besoin de quoi en fait? J'ai besoin de faire des munitions. Et pour les munitions de fusil sniper, c'est quoi la ferraille qu'il faut? Quel type de ferraille? C'est la marron. Ok, bah je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais essayer d'aller tuer les invincibles. Ça sonne con dit comme ça, mais je vous jure que c'est. Ouais, je vais tout prendre. J'ai besoin de soins, j'ai besoin de réconfort. Des grenades lourdes, j'aimerais bien apprendre à savoir faire des grenades. À l'école, on nous apprend pas ça, donc je me suis dit, pourquoi pas. Je peux rien faire en fait. Super, ta gueule. Alors. Qu'est-ce que je vais crafter? Rien, parce que j'ai pas de poudre de coke. Alors, je vais tenter un truc, je vais mourir pour rien, mais moi je pense qu'on peut le faire. Éléments, non. Elle est où la lunette thermique? C'est celle-là? Non, biocapteur, c'était celle-là. Ouais. Je vais la mettre sur le stingray. Et je vais essayer d'aller voir les invincibles là et de m'en débarrasser. Hein. J'aimerais bien tous les tuer, je sais même pas si ça sert à quelque chose. Je pense que ça sert à rien, mais comme il lâche des diamants, des diams, bah, c'est pas mal en fait. Et c'est juste par ego parce qu'ils m'ont fait tellement peur en fait. Quand j'ai joué hier soir et que j'étais contre eux. J'avais des frissons dans tout le corps et c'est une sensation non agréable que je ne recommande pas. Donc je vais essayer de me les faire quoi. Mais je crois qu'il y a les deux juste à côté. Ce qui me saoule, c'est qu'il y a Ashley aussi. Je vais lui demander de rester loin. Voilà. Parce qu'une fois qu'elle est immobilisée, ça me met. C'est vers là, non? Ouais, ça va être là. J'ai peur. Ils m'ont fait trop peur. Putain, j'aime pas ce jeu, mais qu'est-ce que je l'aime.
C'est fou, il est en train d'entrer dans mes top 10 jeux de tous les temps. Quel con, voilà une balle de loupé. Ah, c'est ton bras ça. Ok, je vais jamais y arriver en fait. Ce qui est juste en face de moi, je tire. Voilà. Ah putain. Ok, il me reste 3 balles, ce sera pas assez pour tuer l'autre. Mais je peux quand même déjà lui enlever... Ah si, ce serait assez théoriquement si je visais bien. Allez, allez, on vise bien. Ok, d'accord, c'est mort. Oh putain, quelle merde. Oh mon dieu, j'ai juste tiré dans les couilles. Bon bah écoute, achetez. Okay. Ah moi, qu'est-ce que tu fais? Quelle est cette chose là-haut? Là, il y a un... Oh là 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 là, mais pourquoi il est par terre comme ça? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu fais ça? C'est pas normal du tout. Elle est où? Il est où ton point faible? Je suis reparti dessus. Là, j'en ai eu un. Il y a peut-être moyen que je... Que... Attends, bouge pas, ils sont où tes autres points faibles? T'en as un au niveau de l'appendice. Là! Là! Arrête de bouger! Putain! Juste là, je te vois au niveau de la hanche, là. T'as une petite prothèse de la hanche. Attends, là, il se casse. Ouais, bah d'accord. J'ai 4 balles. Ça peut le faire ou pas, vous pensez? Moi, j'y crois, hein. Il est où? Ok, c'est au niveau de sa prothèse de hanche, là. Je l'ai eu. Putain, il en reste plus qu'un. Ah non, ça l'a pas eu. Ça avait juste fait un peu de dégâts. Putain, je vais... Pourquoi je suis nul à chier? Bon, bah ok, ciao. Tant pis, j'aurais essayé. Je tente au couteau? Ah ta gueule, je tente au couteau, pourquoi je fais ça? Parce que je suis con. Allez, oui, il y en a un là, voilà. L'autre, oh. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Sur ce, les pièces qui sont en rouge là-bas, est-ce que j'ai droit d'y aller ou pas? Maintenant que j'ai tué tout, et pas de succès, voilà, comme prévu, ça ne servait à rien. De toute façon, la vie, ça sert à rien, on va partir de là. Et là, les pièces en rouge, putain, ça fait trop peur, on se croirait dans Dead Space. Les pièces en rouge, salle de dissection, je n'y ai pas accès, donc... Même maintenant que j'ai un pass. Ok. Bon, bah, peut-être que j'y ai accès plutôt dans le jeu, je m'en souviens pas, il y a une trace de merde. Bah, j'ai tué tous les invincibles, tous les Highlanders. Ah si, je pense que quand j'avais activé ça, ça me donnait accès au... Comment on peut passer cette cinématique, voilà. Et là, ça me donne accès aux autres salles, c'est ça? Ouais, bah, je crois que j'y suis déjà allé, je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil. Par présence d'esprit, histoire de savoir si j'ai pas laissé des objets. Mais je crois pas. Non, je crois que j'y suis allé. Ouais. Ah non. Un lingot d'or. Et B, c'est Pâques. C'est mon œuf de Pâques. Mais ouais, est-ce que je me sens que j'ai... Ah là là, tu me dégoûtes. On se casse de là, Ashley. Sauf que là, ça m'a verrouillé une porte, c'est ça. Je sais plus où je suis. Je viens d'où, moi? Ça fait très Dead Space. Je me demande dans le jeu original si c'était vraiment aussi bien fait. Mais je pense, hein, que pour l'époque, c'était très bien fait. On réactive ça. Super. Je sais plus d'où je viens. C'était là qu'il fallait que j'aille? Qu'est-ce que je prends, là? Qu'est-ce que je... Ah non, je suis passé par là, je me souviens de cette lumière. Et c'était là, ok. Je crois. Par les systèmes, c'est ça? À droite, il y a une sauvegarde. Non, on va pas sauvegarder tout de suite. Je les ai tous eus. Voilà, juste qu'on s'en souvienne. Parce que c'était quand même dingue. Au couteau. Finalement, le couteau, c'est peut-être mieux. Il fait pas tant de dégâts, mais... Comme en fait, je suis une quiche pour viser avec le sniper, et comme je suis une merde pour viser avec le pistolet, peut-être qu'en fait, je suis un dieu du couteau. Ok, ça c'était juste pour montrer que je savais faire des petits sauts. J'espère que ça vous a impressionné. En tout cas, je me rapproche de la fin de ce jeu, qui est complètement ouf. Je l'avais pas fait à l'époque. Et waouh. 10 ans plus tard, c'est une tuerie. Du coup, à l'époque, quand il est sorti... Où est-ce qu'on est, Ashley? Qu'est-ce que je branle, Ashley? Ok, je t'ai fait monter là, tu m'as sorti de là. Problème. Pas de munitions. Par contre, maintenant, j'ai un lingot d'or. Donc, si avec ça, je peux pas m'acheter un truc stylé. J'ai jamais fait ça. Je vais aller voir ce que c'est aussi. Je sens que je me rapproche à la fin du jeu et il y a des trucs que j'ai jamais fait. Ma mallette. On dirait le nom d'un album. Ok, je vais sauvegarder quand même, maintenant que j'ai tué tout le monde.
20 000. Ok, c'est pas ce que j'espérais. Mais c'est pas non plus dégueulasse. Eh ben, je vais augmenter la puissance de mon couteau, comme c'est mon meilleur ami, apparemment. Après, je suis obligé de tout dépenser, mais j'ai un petit peu une mine adhésive, ça me sert à rien. De toute façon, je peux rien faire d'autre. Ah, c'est quoi ce pistolet? Il est bien? Non, c'est celui de base, hein. Merci. Come back. Alors, c'est quoi, là? Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, il y a un chargement? Qu'est-ce que c'est? J'ai cru... Ouais, c'est... Ah! J'ai vu ça dans les objets qu'on pouvait débloquer, qui avait marqué la machine à sous ou la jeton, là. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas de jeton. J'imagine... Il est ouf, ce jeu. Il est vraiment trop bien. Détruis les pirates et vise le meilleur score. Insère les jetons. D'accord, donc je vais tuer les pirates. Enfin, peut-être que je dis... Tu peux détruire plusieurs cibles d'un coup. Si tu tires sur un marin, des points de pénalité sont... Ok. Il est vraiment trop dingue, ce jeu. J'ai... Et ça, il y avait ça dans le jeu original aussi, ouais, je pense. Ok. Ça, c'est les armes qu'ils nous filent, et les récompenses, c'est les jetons. Mais vu comment je les ai, après, c'est peut-être bien... Ah, mais j'ai pas de fusil sniper, moi. Ah, mais d'accord, oui, c'est parce que... Ça, c'est un marin? C'est un marin, ça? C'est un pirate, ça? Oh, bah dis donc. Ah, oui, d'accord, c'est ça, les marins. Ah, oui, les pirates sont gros, ça y est, on est gros, on est méchants. Bah, bravo, les gars. Je la connais, celle-là, hein. Attention. Je suis nul quand même, hein. Mais c'est parce que j'ai pris un peu de temps à éviter. Les pirates, ils ont quand même vachement des dégâts de marins. Et puis, en soi, les pirates, c'est des marins. Ah, putain. Ah non, j'ai loupé le truc spécial. Bon, c'est pas grave. Je me rattraperai la prochaine fois. Ok. La musique est stylée. Ah, mais c'est que des pirates, ok. Si j'étais malin, j'aurais... Oh là là. Attendez, je recharge. Attendez. Ah non, je les ai loupés. Ah, c'est pas mal, non? J'ai deux jetons d'argent. Bah écoutez, on va continuer. Ah ouais, mais il y a un million de façons de le faire, ça. Je vais essayer ça. En fait, j'aimerais bien avoir S partout, ça y est, ça m'a donné envie, là. Ah, ça, c'est du pirate, ça. Ah ouais, mais à chaque fois, on doit recharger comme ça, là. Putain. You're an artist, mate. Attendez. Je sais. Oh non, j'ai mal visé. C'est comme si c'était pas exactement sur ses couilles. J'ai paniqué. Je suis peut-être qu'il veut pas qu'on tire, là. Pourquoi on tue ces pirates? Quelle est leur histoire? Enfin, est-ce qu'ils méritent d'être tués comme ça? Parce que les marins, ils ont pas l'air très mécontents, quoi. Ils ont l'air potes, plutôt. J'ai même l'impression que les marins, ils ont des têtes de méchants, pour être honnête. Ouais, les pirates, j'ai plus confiance en eux, ils ressemblent à un boucher sympa. Fait sa petite vie. Les marins, là, on dirait des nazis. On dirait vraiment des nazis. Donc, naturellement, j'ai plutôt envie de tuer les marins. Lui, il a l'air... C'est un mec normal, en fait. Voilà. Calvasse, un peu de surpoids. Avec bien sous tout rapport. Ah, encore. Ok, j'ai plein de jetons d'argent. Donc, alors, ça sert à quoi, ça? Bah, dis donc. Ça y est, on a survécu un virus. Maintenant, au Minode, on se pose comme ça, tranquille. D'accord. Moins 500 si je tire sur un pirate. Ah, il y a des explosifs aussi, j'avais pas vu. Bon, je vais pas faire ça pendant des heures, mais... Ah, c'est, je me fais draguer. En fait, c'est ça. Il suffit juste de réussir un truc dans la vie. Ça y est. Hop, une boule. Parfait, j'avais trop envie d'une boule. Ah oui, c'est des porte-bonheur. Et ça sert à quelque chose? Fréquence bonus de création des mines agressives. Ah ouais! Ah, mais en plus, ça a un impact sur le gameplay, quoi. Ok, mais attendez, j'aimerais juste une autre boule. Attends, Ashley, je vais me refaire une boule. Hop! Au moins 7000, je peux le tenter, je pense. Fusil anti-émeute, c'est le fusil à pompe, ça? Allez, on va tenter le fusil à pompe, j'ai bien envie de me faire plaisir un peu. Peut-être ça va être dur, du coup, parce qu'il va y avoir des... Ah ah! Ah oui, c'est vrai qu'il y aurait moyen... Il y a moyen d'avoir les trois. Ah oui, il y a des chauves-souris. C'est pas des chauves-souris. On aurait dit des chauves-souris. En fait, c'est des pirates chauves-souris. Ah putain, cassez-vous les nazis, là. Oh non, j'ai tué un nazi. Voilà, phrase que je ne pensais jamais dire de ma vie. Ah putain, mais ouais, c'est dur, d'accord. Oh là là, bah, je bute tous. Juste deux jetons. Même deux jetons, ça suffit.
Waouh. Et derrière là. Bon, j'ai réussi. J'ai pas avoir. Ah là, si, j'ai A quand même. Hop. Merci Ashley, c'est parce que t'es là. Tu me fais me sentir fort. Hop. Alors, je vais avoir quoi? Bah, est-ce que je l'ai mine adhésive? J'en ai rien à foutre en fait, j'en ai jamais utilisé une seule de ma vie. Ah, une boule dorée. Ça, c'est Motus, la classe. Léon avec lance-roquette. Prix du lance-roquette, moins 20%, mais ça, c'est dingue! Mais il est fou ce jeu. Alors. Comment je personnalise ma. Oh là là, prix du lance-roquette, c'est exactement. Ashley, tu te rends compte? Tu te rends compte ou pas? Putain, c'est très drôle. Qui a dit putain? C'est Léon ou Ashley? Ashley n'oserait jamais dire ça. Et du coup, si je vais dans mallette, c'est pas là qu'il y a mallette? Attendez, il me semblait qu'il y avait un truc avec mallette ici, c'est pas ici? J'ai 9000, j'avais 9000 avant ou c'est les. J'ai plein de questions. Comment on fait pour personnaliser sa mallette? C'est avec le truc de sauvegarde. Ouais. Moins 20%, mettre à gauche. Ah ouais, on peut en avoir jusqu'à 3. Mettre au centre. Est-ce que j'en refais une autre? Ah, j'en refais une autre. Je pensais jamais que j'allais faire ça. Moi, je pensais que le jeu, là, j'allais le terminer en 10 minutes. En fait, pas du tout, je suis en train de... Pour ça, pour rien, en plus, parce qu'une fois que j'ai fini ce jeu, j'y toucherai plus jamais, je relancerai jamais ce jeu, ça me sert à rien, ce que je fais. Quel con. Ça, j'oublierai, j'en aurai rien à foutre d'or. Mais là, j'ai un peu ce truc, là, je veux mes 3 jetons. Même s'il y en a un qui me sert à rien. Allez, on va tenter 3A, là. En fait, je fais juste en fonction de l'arme que j'aime ou pas. Mais je devrais peut-être pas, parce que... Ah, il y a les singes encore, là. Attends, si je tire sur la gueule... Oh, ouais. Oh, oui. Ah bah lui, oh là là, ah merde, oui, parce que oui, si elle est marin, ça tue les marins aussi. Ah, il y a même un temps de reload, trop cool. Allez, allez, venez, vous êtes où là? Ah putain, dur de viser là. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ah, oui. Oh, t'as vu comment il se déplace lui? Oh. Alors là, si j'ai pas A... J'ai B. Un jeton. Ah là là, quel... Ah ouais. On va tenter celui-là, là. Mais en fait, c'est de plus en plus dur. Donc, je sais pas si c'est très malin ce que je fais, mais... Hop, une balle dans la chambre. Attention. Putain, mais si tu joues sur PC, ça doit être quand même vachement plus simple avec, avec la souris. Ah là là, faut que je mette dans le bon angle, là. Il y en a un deux derrière, là-bas. Oh là là, mais ma balle, c'est dégueulasse. Je l'ai pas touché, je vous jure, je l'ai pas touché. C'est un menteur, t'es un menteur. Mais les balles du Punisher, elles tirent comme un fusil à pompe, j'ai l'impression. Parce que je tire une balle, ça en tue 5. Même un mec qui était même pas dans le jeu. Hop là. Fin de partie, ah, j'ai B là encore, je pense. J'ai pas A. J'ai A. Allez, j'ai mes 3 jetons. On va pouvoir avoir mon dernier truc pour ma mallette. Et ensuite, Cassos. Oh là là, arrête de me faire du rentre dedans, Léon il est gay. Donc toi il en a rien à faire. Hop. Prix de la ferraille. Super. On dirait un boss dans Metal Gear Solid 1. Vulcan. Ou Vulcan. Elle m'en veut, j'ai l'impression qu'elle se retourne parce que j'ai eu un B. Je crois qu'elle a honte de moi. Je pense qu'elle a un petit peu honte de moi. La prochaine fois t'auras qu'à faire mieux. Toi tu dégages l'odeur du combat. Merci. Voilà, ça me sert à rien, comme dit tout à l'heure. Voilà, ça... Ben, je vais peut-être sauvegarder, quand même. Hein. J'en suis à combien d'heures de jeu? 9. Donc, la ferraille est moins chère, le lance-roquette il a 64 000, il était à 80 000. Donc on est quand même sur un bon truc, est-ce que c'est là que je dois aller? Ouais. Et j'ai plus de balles. Attends, on est dans, à Azkaban. J'ai plus de balles de rien, on est d'accord, c'est ça. Et j'ai pas de quoi crafter. Ah si, peut-être? Non. Tu vois? Ah putain. Presque. Là, c'est tellement frustrant. Je ne peux pas. Je n'ai pas de balles. Ashley, t'entends? Sale. Putain, j'ai eu un coup de couteau quand même. Hein. J'ai pas de balles, je ne peux pas jouer au jeu en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est un jeu d'action. Et j'ai pas de balles.
Dites-moi qu'il y a des balles juste là, là. Donnez-moi des balles. Jeu, game directeur du jeu, donne-moi des balles. Ah oui, voilà, je vais pouvoir tirer sur le médaillon. Ah, il y a plein d'ennemis en plus. Et ils chantent de l'opéra. Il y a Don Giovanni qui est en train d'être joué en direct et je ne peux rien faire. Voilà. Attention, hein, parce que je vise. Ok, il y en a d'autres. Putain, Ashley, elle est encore. Ouais. Là-haut. Bon, j'avoue, le jeu, il triche parce qu'il te les met sur la carte, mais bon, en même temps, est-ce que je vais me plaindre? Là, il y a un truc à faire péter, donc ça me servira peut-être. Putain, là, il y a une énorme boule. Je sens que tout ça, il y a un gros mécanisme de jeu là qui va arriver. Là, je pense que je peux pas aller. Il va dire, ah, j'y arrive pas. Voilà. Donc, médaillon, j'en aurai un en face de moi. Un en face à gauche de moi. Parce que là, je les vois pas. Je vais voir s'il y a pas moyen de les avoir en avance. Vous en voyez? Moi, j'en vois pas. Ouais, Ashley, tu peux te... Merci. On a une relation conflictuelle, Ashley, je trouve. On en parlera à la fin du jeu. Ah non. Voilà, j'ai 8 balles, les gars. Franchement, je peux tenter un truc, hein, mais... Voilà. Donne-moi des balles, toi. Ah putain. Ça y est, j'ai plus de balles. Donc je vais devoir y aller là, comme ça. Hop! Finalement, un coup de couteau dans la tête, ça marche. Il y a peut-être moyen de faire tout le jeu au couteau, non? Il n'y a pas des speedruns de gens qui font le jeu au couteau? J'ai pas de balles, Ashley. Ashley, putain. Je suis où? Je suis perdu. Je tourne en rond. Ça commence. Je tourne en rond. Là, il y a des balles. Des PC TAS. Putain, mais si l'argent pouvait acheter des munitions. Ah! C'est un moyen que je l'ai au couteau, ça, pour économiser quand même une petite balle, là. Si. Super, trop bien. Voilà. Ok. Pas moyen de les avoir en Splinter Cell, là. Toi, t'es de face, moi, je peux avoir que les unités d'eau. Il y a un autre médaillon, là. Putain, Cortado, Nelly Furtado. No mejor, c'est pas mieux. J'ai vu un médaillon, là, mon ami. Merde, il est où? Ah ouais, d'accord, faut le voir. Je vais le louper. Je sens que je vais le louper. Ah oh, putain, c'était sûr parce qu'il y a des objets devant. Oh putain, ça c'est un problème de hitbox. Voilà. Mes dernières balles. Poudre noire. Peut-être que j'ai de quoi me faire des munitions maintenant. Et ouais, c'est bon. J'ai hacké le jeu. Alors il m'en reste un médaillon là, à droite. Il est là-haut. Super cette petite herbe. Ok, je les ai tous. Alors je vais pas retourner le voir tout de suite parce que comme on a compris ça ne sert à rien. Vu qu'il ne vend pas de munitions, mais bon. Je crois que j'ai tout hein, en plus. Il y a un petit chargement, il y a un boss derrière. Hop, herbe verte. Est-ce que j'ai de l'herbe? Ouais, j'ai de l'herbe. On peut pas faire combiner ici à l'ancienne comme dans les Resident Evil là? Non, on peut faire fabriquer. Ah oui, d'accord, c'est pas mal. Fabriquer, j'ai aucune munition à faire. Ok, ça marche aussi comme ça. Peut-être que je me soigne, non? Hop. Fais attention, bah ouais. Fais attention, j'ai... Ah, j'ai combien de balles? Ah, j'ai cru dire 121, j'étais amené, non. Poudre noire, c'est exactement ce qu'il me fallait. On se retrouve à Palerme, c'est ce qu'il vient de dire. Nosotros retrouvero a Palermo. Je crois, hein. Vous êtes beaucoup, là, hein. Ah non, mais en plus il se transforme en salaud. Bah vas-y, prends Ashley. Parce que ça me saoule là. Hein. Ah, mais j'ai buté Ashley. Putain. Ashley, je suis désolé. En même temps, tu m'aides pas. Pourquoi on donne pas un petit couteau à Ashley? C'est un peu genre la nana et c'est rien faire quoi. C'est. Ça y est, c'est une gonzesse, c'est fini. Pas de. Aucun talent. Les gars, franchement. Il y a Bayonetta quoi, ça aurait pu être Bayonetta. Je reviens. Hein. Je vais prendre ça. Des munitions. Je vais me barrer là. C'est fermé. Non, mais en fait, je suis pris un peu en. Je suis un peu dans la merde là. Mais c'est trop dur. Attendez. Laissez. Voilà. Laissez-moi tenter de me barrer.
Voilà. Là, j'en ai fait un. Là, normalement, je vais essayer d'en faire deux. J'ai loupé une occasion de le cutter, mais c'est pas grave. Oh putain, qu'est-ce que t'as fait encore? C'est pas grave. Tout est dans le timing. C'est un jeu de rythme. Allez, on tente. Ashley, là je m'étais soigné, en fait le jeu a pas sauvegardé quand je m'étais soigné. Ashley reste derrière. Voilà, moi je vais aller en haut. Voilà, il y a des balles et tout. Et là je peux sauter par là et les prendre à revers, mais ça c'est ouf. Hop, dans le dos. Ah merde. Ah, je peux peut-être te mettre un coup de pied. Hop là, c'est comme ça qu'on fait. Ah, il a essayé de me pousser. C'est des... On est Wildfest, les amis. Attends, Ashley. Putain. Non ! Allez ! Hop, parce qu'on est invincible quand on fait ça. T'as pas intérêt à me transformer en Lipoutou, là. Ah, j'arrive. C'était ça qu'il fallait que je fasse. Fallait que je demande à Ashley de rester loin, en fait. T'es la meilleure. High five. Ok. J'ai mal un peu, j'ai une petite crise d'appendicite. Bon, c'était pas mal cette technique de fuir pour mieux contourner. Ok, bon, y a rien. Je crois que je peux crafter des trucs. Ok, on va combiner ça. Ah putain, mais j'en ai marre. Ok. J'ai plein d'armes, ça me sert à rien. Parce que ça me sert à rien. Je peux pas aller là. Attention quand même. Hein. Bah, faut que j'aille où? Là, c'est fermé. Et la porte blanche, elle m'a l'air verrouillée, non? Ou peut-être que j'ai fait une bêtise tout à l'heure? Ok. J'ai loupé quelque chose en haut? Bah, je crois pas. Il n'y a pas d'autre solution là, donc peut-être qu'il faut que j'aille ailleurs en fait. Cet escalier là, non, j'ai essayé. Bah. Je comprends pas. Il n'y a pas d'interrupteur? Attendez, déjà il y a ça. Du bleu velours. Il n'y a pas d'endroit où je peux faire grimper Ashley? Là, il y a un interrupteur. Est-ce que si je suis le câble? Non. Bah merde. Ashley! Quand il faut résoudre des énigmes, t'es plus là, hein. Et d'accord. Bizarre ça, non? Tu trouves pas que c'est bizarre? J'arrive pas à voir sur la carte. Pour moi, il n'y a rien d'autre là, hein. On est d'accord. Le jeu veut que j'aille là. Objectif intermédiaire. Si je monte... Ok, peut-être il va falloir que j'aille en haut, je pense. Mais non, je peux pas y aller en haut, c'est ça, là. C'est la porte qui est verrouillée. Bah, je vais ressortir de là, mais ça veut dire que je suis mort pour rien. C'est ça, le... que tu essayes de me dire, Resident Evil? Resident Evil? Is this what you're trying to say? Ok. Bon. Ouh, j'aime pas ça, là. Ça sent le truc où je vais tourner en rond pendant des heures alors que la solution était sous mes yeux. Et quand ça m'arrive, en général, ce que je fais, c'est que j'éteins la console et j'oublie. Puis je relance plus le jeu pendant des mois. Et je sens que c'est ce qui va arriver parce que ça va me saouler. Ok. On reste... On reste concentré. Qu'est-ce que... Les portes sont verrouillées. Est-ce que j'ai loupé un interrupteur quelque part? Là, il n'y avait rien. Là, je pouvais pas aller. Et ça, pour moi, c'est la suite du jeu. Mais... Ok. Ashley! J'ai fait ça. Tac, tac. Là, il y a une porte. C'est dans cette salle-là, alors qu'il me manque un truc. Mais je comprends pas. Peut-être que je suis à l'op... Non, mon objectif est tout là-bas. Qu'est-ce qui peut me manquer? Ça, c'est quoi, là? Non, c'est bon. J'ai fait bugger le jeu. C'est un bug. Ashley! Ah,
Ok. Ok, bon ben ça me gonfle. Je vais jouer à Pokémon Go du coup. Hey, wait, Leon. T'es où? Ah ouais, non mais d'accord, je pensais que t'avais trouvé la solution, que c'était... Attends! J'ai une idée de génie! Viens voir! Regarde tout ce qu'on peut faire! Eh ben non. J'aime pas ça, hein. Est-ce qu'avec moi, je peux suivre là... Ah, il y a un bouton là? Non. Je comprends pas. Peut-être les valves là, je peux toucher dessus. Valve, Half-Life. Là, il y a un levier que j'ai loupé. Ah, mais putain, voilà, débilos. C'est quoi, ordre? Ah, d'accord, je vais lui dire de le lever. Et moi, je vais là-bas. Gauche ou droite? Gauche pour ouvrir la porte, ok. Qu'est-ce que je ferais sans carte? Sans cette vision divine? Ah merde, elle se fait attaquer! Mais laissez-la tranquille. Ah non, toi, casse-toi! Mais tu la lâches! Connard! Voilà, putain! Lâche tes, casse-toi! Hein. J'arrive! Tu restes là? C'est bon, il est mort. Je crois qu'il en reste un qui est derrière moi en train de. C'est fou, le jeu est trop bien construit parce qu'au fur et à mesure qu'on progresse, on passe d'environnements ouverts à des environnements. Attendez, je vais roter. C'est bon, j'ai réussi à le faire discrètement. On passe à des environnements ouverts, à des environnements claustrophobiques, à des ennemis qui vont vite, des ennemis lents. C'est une folie ce jeu. C'est vraiment une folie. Je me rends compte à quel point c'est hyper bien construit, c'est hyper bien fait. On alterne les rythmes, il y a de l'action. Après, on passe à l'horreur avec les mecs qui se cachent dans les. Waouh, les mecs qui se cachent dans la considération, même les éclairages et tout, l'ambiance. C'est de la folie. Quand j'étais petit, j'ai eu peur d'y jouer, je comprends pourquoi, je pense que... Ah putain, mais il est... Ah non, je déteste la plague. Ça, c'est ce qu'aurait pu être le Covid si Macron ne nous avait pas sauvés de cette guerre. Ouais, tu peux arrêter de faire du mal à Ashley, s'il te plaît. Parce que dès qu'elle meurt, je meurs, et ça m'agace. Alors que le jeu pourrait avoir une fin, en fait, un peu comme dans les Nier Automata, où... Le personnage meurt, mais puis c'est la fin, quoi, et on rentre chez nous, et on fait bon, bah on a loupé la mission, mais la vie continue, parce que parfois au boulot il y a des missions qu'on loupe, et j'ai plus de balles. Et je fais quoi? Et j'ai munitions de mitraillette, ah mais c'est de la merde ça, ouais, bon j'ai pas le choix. Elle est nulle ma mitraillette. Bon, j'espère qu'en en butant un, je vais avoir. Ah! Ah, bah oui, il balance des petites. Ah, oh, putain, pourquoi ça m'écœure, je ne veux pas ça. Déjà, quand je prends des douches dans des campings, si je mets pas des tongs, j'ai envie de me tuer. C'est hors de question que je. Ah là 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 là. Et j'ai plus de balles, ça c'est officiel. J'ai plus de balles. Bon, bah je me casse. Ashley, tu viens? Ok. On se barre, ils sont pas très sympas ces gens. Y'a quoi là? Non, ça c'est la suite du jeu, moi je voulais voir la salle qui n'était pas là. Ah putain. Peut-être y'a des balles là, attends. Ashley. Tiens la porte, Ashley, fais au moins ça pour moi quoi. Ah, y'a les saloperies là. Ah, elles savent pas ouvrir les portes. C'est pas comme les raptors dans Jurassic Park. Ah putain, elles ouvrent les portes. Ah mon dieu. Et elles me dégoûtent. Et elles me font mal. Oh là là. Ah là là! Je ne savais pas que tu étais là. Tu es une sacrée surprise, petit chenapan. C'est bon, on a fini là? Merci. Là, il y a quoi? Là, je peux retourner sur mes pas. D'accord, c'est pas ce que je voulais faire. On va observer quand même les objets. On va voir. C'est ça, ça, moi ça me rappelle rien de bon dans les jeux en général quand on est dans les égouts. Ça veut dire bête dégueu, ça veut dire claustro, ça veut dire dur.
J'ai fini Resident Evil 3 juste avant de faire celui-là et il y a des espèces de gros machins qui sortent des trucs. Voilà, mon vocabulaire s'étend à peu près à, ce... à ces deux mots. Là, il n'y a pas des objets cachés. Et si une émeraude, je suis blindé par contre. Mais ça sert à rien parce qu'on peut pas acheter de munitions. Voilà. Ordre. Je peux pas faire ordre. Non. Ouais, super Ashley pour le timing. Ok, we go at the same time. Oh! C'est beau, regardez ça là. Est-ce que dans le jeu original il y avait ça? Oui, certainement, mais bon. Ordre, ah bah tiens, cache-toi. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, c'est nouveau. C'est nouveau? Et j'aime pas ça, ça veut dire cache-toi, il va y avoir un ennemi dur. Je vais encore me faire défoncer. On me donne des balles, des grenades. Est-ce que c'est rassurant? Bien sûr que non. Ok, j'ai 6 balles. Elle est cachée. Ah ben non, c'est ça. C'est vrai qu'il y a encore cette merde. Là. Voilà. Trophée obtenu, 2 en 1. Ah non, c'est fini là, normalement. Pourquoi t'es redevenu moche? Ah ouais, ok, normalement c'est... Attends, bouge pas trop. Oh putain, il est en train de faire la serviette là. Il fait le coup de la serviette. Voilà. Là normalement, c'est horrible. Regardez-moi, c'est horrible, ça me fait... J'ai l'impression que c'est des poils d'araignée, ça me dégoûte. Ça va, c'était bien toi pendant que tu foutais rien? Si, tu me blesses mon ego, mon estime. J'en ai marre de me trimballer des gens qui me branlent rien. Putain. Ashley. Allez, Ashley. C'est bien, tu peux lever un interrupteur avec moi, c'est super. Ouh là là. On devrait jouer à Guitar Hero, toi et moi. Ok, j'ai plein de diamants. Mais pas de balles. Je déteste ça. Alors ça, c'est un truc. Vous allez voir si je dois le faire. J'ai rien compris. Petit cafard. Est-ce que je peux y tirer dessus? Après, j'ai tellement pas de balles que... Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Non. Ah non, mais non, je vais demander à Ashley, voilà. Ordre. Il y a des munitions, là, je les ai loupées. Non, c'est que je peux pas les avoir. Mais j'ai dit ordre, tu fais pas ordre? Ordre. Bah oui, ça tu sais faire ça, super. Mais foutre un coup de couteau à un zombie, ça, non. Hors de question de m'aider. Connasse. Alors. Le jeu me donne des balles. Est-ce que c'est rassurant? Non. Tu bouges pas, Ashley, hein. Ça sent la cinématique, là. La cinémathèque. J'ai beaucoup de balles et des PC taf. C'est beau, hein. Faut se le dire. J'ai mis nouveaux cheveux. On a des options graphiques. On a droit à 2 types de cheveux, les anciens et les nouveaux, mais je vois pas trop la diff. C'est des cheveux, quoi. Je vois rien. Alors, c'est noir complet. Merci. Il suffisait que je le dise pour qu'il allume sa lampe torche. Ashley, je sais pas où t'es encore en train de lever le pont alors que je suis plus là. C'est pas grave. Hop, de l'herbe verte. J'aime bien ce petit moment de pause, mais souvent c'est pause avant la... Voilà. Et tu reviens plus ici. Un black bass. C'est quoi ça? Un poisson d'eau douce, aussi appelé achigan à grande bouche. Doux et nutritif, il permet de regagner de la vie. Ah ouais, alors ça, fabriquer, non, d'accord. Ça, fabriquer, munition de mitraille, bah non, parce que je m'en fous. Par contre, grenade aveuglante, c'est pas mal, ça permet de tuer les saloperies en un coup. Ok, est-ce que je les ai équipées là? Ouais, alors, mitraillette, pourquoi tu me donnes des balles de mitraillette, jeu? Ok, on va activer le pouvoir, le courant.
Ah non, laissez Ashley tranquille. Putain, je vois rien. Merde, ils vont buter Ashley. Non, 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 non. Je vais où? Ah non, il y a ça aussi. Je renonce, je renonce. Ah non, mais je vais crever. Il y a Ashley qui va buter. Il y a un invincible. Je peux pas... Le jeu, il devient vraiment dur. Ashley! J'ai loupé un objet. On l'a vu ou pas, l'objet que j'ai loupé? Putain. Je suis bloqué. Ah, mais il y a cette merde, là. Je pense que là, c'est fini. Je pense que je suis foutu. Allez, faut y tirer dans le ventre, là. Il y a les points faibles, là. Je vais pas y arriver, hein. Ils sont où, tes points faibles? Laisse-moi. Ah, c'était sûr. Oui, bah, je suis désolé. J'ai pas pu tout faire. Je peux pas tout faire, Ashley. Je peux pas... trop fourneau. Je sais plus quelle est l'expression. Mais il y a un truc dans le genre. Je pense que je suis pas loin de la vérité. Ben je vais pas activer le courant. Si dès que j'active le courant, elle se fait... C'est trop tard. Il faut que je reprenne tous les objets. Mais alors, parlons-en. Ouais, mais c'est chiant. Pourquoi faut que je reprenne tous les objets? Ashley, tu es là. Ça, j'ai compris. Je vais activer le courant et ne pas pouvoir te sauver. Donc une fois que le courant est activé, j'ai... Ouais, mais en plus, il y a l'autre ennemi dégueulasse. Les invincibles, c'est pas possible. Je peux même pas me faire de... Comment je peux faire? Parce qu'elle va se faire capturer, mais moi, je peux pas revenir sur mes pas. Ah non, c'est ça, elle se fait capturer, du coup, forcément, elle peut plus tenir le levier, donc le pont, il se rouvre. Alors si je l'empêche de se faire capturer... Je peux potentiellement revenir. Mais il y a l'invincible qui va me péter les... Attention, est-ce que je peux tuer deux d'un coup? Presque. Je vais peut-être gagner un peu de temps, là. Voilà, hop. On retourne vers Ashley. Il y a l'invincible qui va me faire peur. Oh là, On court. Elle va se faire capturer quand même, à tous les coups, le jeu est scripté pour qu'elle se fasse capturer, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Parce que le jeu, il veut pas m'aider. Ah, il y avait une mallette. Vous avez vu? J'ai loupé une mallette. Ah, mais non, mais il y a la merde derrière moi, là. Ashley. Ah, mais non, elle est par terre. Ah, le con, il a une armure. Ah là là, mais c'est pas... Pff, quel jeu, les amis. Je ne veux plus jamais jouer à un jeu de ma vie. Non. Mais meurs! Et toi, là? Elle est immobilisée, maintenant. Super. Alors, toi... Normalement, elle a tes trucs dans le ventre, là. Ashley, comment je fais pour venir te voir, en fait, quand t'es par terre? Eh non. Je sais plus quoi faire. Ils sont où, tes derniers appendices, là? Putain, j'ai plus de balles. D'accord, c'est dans les couilles. Voilà. Alors, je vais y aller au couteau. Et voilà, il fait le coup de la serviette. Putain, et Ashley, comment je fais? Ah là là! Alors, normalement, il l'a dans le bas du dos, là. Allez, mais laisse-moi te... Normalement, c'est là, là. Putain, mon couteau, il va lâcher, hein. Voilà. C'est bon. Ah non, il va redevenir le... Ah non, il redevient méchant. Maintenant, c'est dans la tête. Laisse-moi te toucher la tête. Ah putain. C'est trop flippant. J'ai des frissons. Je vais manger un poisson, ça va peut-être m'aider à réfléchir un peu à la vie. Laisse-moi te toucher la tête, là! Je vois rien, en plus. Je peux pas te toucher la tête, mec. Laisse-moi te toucher le crâne! Oh là là. On sent la tension ou pas? Non, mais bien sûr qu'on sent la tension, bordel de merde. Et je peux pas faire de... J'ai pas de munitions, je peux pas crafter. Ah si!
C'est le moment là. Je me casse, je recharge. Il est où? Tu fais pas le coup de la serviette, hein. J'ai 30 balles là. J'ai 30 balles, ça devrait le faire. Enfin, je dis ça, je vise à côté. Oh non, j'ai plus que 10 balles. T'es où? Laisse-moi recharger. Tu me laisses recharger. Allez, les copains. J'ai plus de balles. Mais c'est pas possible d'être une merde. Ah, c'est bon. Je suis pas une merde. Je suis pas une merde. Ashley est revenue. Ok, donc en fait, c'est ça. Le jeu était scripté. Elle était par terre. Tant que... Et là-bas, il y avait une mallette que j'ai loupée. Un collier orné. C'est ça qu'on veut. J'ai plus. Putain, c'est dur. Il est dur. Pourtant, je suis en mode facile. Est-ce que je peux sertir, mon ami? J'ai de quoi te sertir. Je peux même te faire all red. Non. Ah, j'aurais pu. Mais tu sais quoi, je vais garder. Et toi, je vais te sortir avec le vert. Et du rouge. Je sais pas ce que je fais. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est réfléchi. Non, il faudrait plutôt que je fasse avec du bleu. Je crois. Comme ça, j'ai plus de bonus. Je crois. Je sais pas. Ashley! Oh là là. Mais je pense que j'approche de la fin, donc. Finalement. Ah oh bah écoute, Ashley, t'es la meilleure. Voilà, c'est ça où je comprends rien. En fait, j'arrive pas à comprendre ce que ça représente, les petites barres, parce que je pense que c'est pour la direction du flux. Sauf que je suis pas sûr de comprendre. Ça, d'accord. Et là, j'ai l'impression que ça correspond pas. Si, d'accord, ça fait bas, gauche. Et j'ai pas les capacités... Donc là, ça va vers le... Oh là là, ça me saoule. Là, ça va que vers le bas. Là, c'est bon. Par contre, ça bloque le flux. Donc c'est soit ça fait les... En fait, je regarde le numéro 3, là, qui est à gauche. C'est ça. Soit ça va en haut, en bas. Et ensuite, ça remonte. Bah celui d'en haut, je suis obligé de faire ça. Le 1 qui est tout en haut, je suis obligé parce que sinon il n'y a aucun autre moyen d'avoir le courant. En fait, il faut que le courant passe dans la petite boule avec un éclair. Je ne peux pas faire autrement avec le 1 qui est en haut. Parce que là, ça va. Ouais, c'est le seul truc que je peux faire. Donc ça, c'est forcément comme ça. Ensuite, là, ça va soit en bas à gauche, soit en bas à droite. La question, c'est où est-ce que je veux que ça aille? On va tenter en bas à droite. Ensuite, là, on va appuyer plein de fois pour voir. Voilà, alors à savoir, c'est comme ça que j'ai fait tous les autres. J'appuyais juste au pif parce que je comprenais rien. Et sauf que là, il commence à avoir tellement de combinaisons que peut-être que d'appuyer partout, c'est pas forcément. Et là, je comprends pas ce logo là. Il a une diagonale, ça veut dire quoi? C'est qu'il passe aux deux. D'accord, ok, je vois. Tac. Donc, soit je le fais aller vers le haut. Et à ce moment-là. Non, ça sert à rien là. Je vais vers le bas. C'est dur, hein. Pourquoi le jeu il veut qu'on fasse ça là? Ok, donc ça c'est sûr, ça peut pas être autrement. Sinon je peux pas allumer celui-là. Ensuite c'était pas dans cette direction là, donc peut-être on va essayer vers là. Maintenant on tourne une fois ça. Ah, 4 sur 4. Voilà, c'est un peu au pif, hein, mais. On va dire que c'est le génie. Bon Ashley, ce coup-ci, toi et moi, on va quand même essayer de... Hein ? Cartouche de fusil à pompe, 3. Non, pas toi. C'est très Half-Life. Putain, j'ai plus rien. Allez, viens au couteau, toi. En fait, je fais un run au couteau. Ne m'aide surtout pas, Ashley. Ça, je trouve ça dingue comme détail, c'est que une fois qu'ils sont morts, il y a encore le parasite qui lui
bouge dans leur cadavre et je trouve ça terrifiant. Encore une fois, même question, est-ce que dans le jeu original, parce que je rappelle, c'est un remake, putain, l'éclairage est magnifique. Est-ce que c'était déjà le cas dans le jeu original? Je pense que oui, mais je trouve ça un détail terrifiant. Ah, salut mon ami, j'ai plein de... Les rats, oh non! C'était où les rats que tu voulais qu'on les bute? C'était derrière? Parce que j'ai vu plein de rats en plus. Attendez, j'ai vu des rats tout le long là. Non, il n'y en a plus. À mon avis, les rats, c'est après. Parce que je vois pas pourquoi le jeu nous donnerait une mission pour des choses qui sont derrière nous. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, oui, j'ai 5, j'en ai 5 et je peux rien acheter avec 5. Si, un jeton d'or pour le stand de tir. La poudre noire, j'en ai peut-être besoin. Et comme je sais pas me décider parce que je suis autiste, bah, je vais pas faire de décision. Ok, bleu velours, tac. Bah, je vais attendre. Je vais augmenter la puissance de mon couteau encore. Mais je vais le faire hein, parce que jusqu'à maintenant, ça a été mon meilleur ami. Ah putain, ça je peux pas le. Je peux vraiment pas faire grand chose maintenant. Et on sauvegarde. Je crois qu'on a atteint les 9 heures de jeu. Alors là, il y a des choses à crafter, non? Je tourne en rond en fait, j'essaye les mêmes choses en continu. Ok, je peux rien faire en fait. J'ai 12 balles. Voilà, c'est ce fameux truc là, ça sent le boss, le troll ou je sais pas quoi. J'aime pas trop. Bon mec, on faut y aller. Ah, je vais attraper Ashley. Ah, c'est là, elle va se tordre la cheville. Ah non, c'est bon. Je sais pas trop ce qu'il va y avoir, mais en tout cas, il y a des trucs explosifs. Il va y avoir plein d'ennemis, j'ai pas envie. J'adore ce jeu. Je pense que du coup, c'est en train de devenir un des top 10 jeux auxquels j'ai joué. Vraiment. Avec les Metal Gear Solid, Nier Automata, tout ça. En revanche, je trouve qu'il y a beaucoup d'action et ça me fatigue, mais je pense que c'est le but, quoi. Mais ça m'épuise. Genre, littéralement, ça m'épuise entre le stress. Parce que je me sens tout le temps débordé, mais je pense que c'est ce que voulaient les développeurs. Mais parce que j'ai pas beaucoup de balles, ils sont beaucoup. Ouais. J'ai envie de pleurer. Je vais rentrer chez moi. Ah, va falloir mettre un coup de boulet dans le... Leon. Look. That the lift? If we could do something about this wall. Bah ouais, bon, c'est très bien ce qu'on va faire. Hein. J'ai jamais piloté ça. Mais Léon, il sait tout faire. I got this. Ah, Ashley, enfin! Voilà, depuis tout ce temps, en fait, c'était une ouvrière, travailleuse de chantier. Bah ouais, parce qu'on n'a pas de boulot. Elle est bac plus 7 et pas de travail. Je suis surpris qu'ils n'en aient pas fait un film au jeu. Peut-être qu'il y a un film. Ouais. Voilà. C'est ce que je voulais pas. Je fais pas une grenade ? J'irai. Oh là là ! Du premier coup ! Hop ! Et haha ! Voilà mon. Ah, j'aurais pu lui mettre un coup de couteau. Attention, les copains. J'ai plus beaucoup de balles. J'ai plus beaucoup de. Ah ah ! Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi tu as décidé de te faire mettre tout seul. Ok. Ok, il y en a encore. Lui, il a sorti son bouclier de son cul. Aïe! Ça m'a servi à rien. Oh non, mais il y a un gros. Euh...
Voilà, ça normalement ça devrait me rendre invincible. Mais il y a ça là, il y a ce truc. Oh, stylé. Attends. Voilà. Ça je trouve ça assez cool. Il y a plein de balles là-bas. Je vais essayer de l'amener ici parce qu'il y a un truc à faire péter. Viens là, viens là. Viens là. Oh non, Ashley. Attends, est-ce que j'ai plus de balles moi? Voilà. Là j'ai cru qu'il y avait plein de balles. J'ai cru voir plein de balles vers là. C'est ici là. Ouh. Voilà, maintenant il reste plus que le méchant. Mets-lui un coup de boulet. Ah 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 ah. Oh. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'en un coup de couteau on peut l'avoir? Un émeraude. Oh là là, mais je vais... triche pour rien. Attention, parce que maintenant je suis un sniper, moi. Hop. À chaque fois, il y a le petit logo du coup de couteau qui arrive en dernier moment. Ok, je suis pas trop mal finalement. Mais je pense qu'il va y avoir un dernier gros méchant qui va arriver. Ça me paraît trop simple. Là. Je pense que le jeu me réserve une saloperie. En tout cas, je vois rien ni personne, hein, donc profitons. Faut que je fasse quelque chose d'autre ou Ah d'accord, il y en a plein qui arrivent. Allez, je vais essayer d'aller en direction de toi. D'accord, ça ne sert à rien. Ah, il y a un sniper. J'ai cru voir un... Ah ouais, d'accord, il y a des snipers maintenant, tout va bien. Ah bien, on se roquette. Hop, merci. Est-ce que... Ah ouais, d'accord, ok, il y a tout qui arrive. Super. Il y a un lance-roquette, des... Oh là là, oh non, mais il y a toutes ces merdes. Cassez-vous. Oh là là, il y a du feu, il y a... Qu'est-ce qui se passe, putain? Waouh, mais c'est pas du tout ce que je voulais, moi, déjà. Oh. Et c'est pas... Non. Alors j'ai une grenade aveuglante, donc ça les tue, je pense. Donc je peux essayer de m'en tirer avec ça. Ensuite j'ai rien. Ah si, munitions de fusil à pompe, ça peut être utile. Ok, ça c'est fait. Ah non, faut que je me soigne. J'ai de quoi me soigner? Ouais. Et ça j'ai dit, je peux rien mélanger en plus. Okay. Donc c'est ma dernière vie quand même. Non! Ah mais regardez! Cassez-vous en fait, moi je dois recharger. Oh là 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 là! Et toutes les bêtes là, elles récupèrent tout le monde. Ok. C'est une merde ce jeu. Ah mais j'ai dit que j'avais ça là. Voilà. Voilà! Toi là, je peux te taper. Qui d'autre? Qui d'autre? Tu veux tenter toi? Tu veux qu'on discute? Je fais semblant parce que je suis terrorisé en fait. Je déteste ce jeu. Et à la fois, je suis accro. Mais en tout cas, merci Ashley, c'est la première fois que. Tu vois, quand on travaille ensemble, on fait de grandes choses. Appelez, ouais, je l'appelle. Ah ouais, je la siffle un peu, mais bon, c'est pas grave. Et oui, du coup je suis content parce que ça veut dire qu'Elémon aussi il en avait un peu marre d'elle, mais il n'osait pas trop le dire. C'est maintenant qu'on file des munitions, hein. Bon, bah ça a été, je m'en suis plutôt bien ciré. C'est où les rats? Je pense que j'ai loupé les rats, hein. Ça devait être avant alors. Et là il y a une nouvelle mission: étrange cadavre errant. Quelqu'un pourrait-il mettre fin à son existence pathétique? Dans le labo d'incubation. Ah ouais, mais c'est tout derrière là-bas. Non? C'est pas là d'où je viens, le labo d'incubation? Si, c'est ça. Non, mais je vais pas retourner jusque là-bas, c'est trop loin. Je t'aime bien, petit jeu, mais tu me fais faire des allers-retours et je déteste ça. Tout le monde déteste ça. Il est hors de question que je retourne là-bas. Tu m'entends? Ashley.
Ce genre d'ascenseur là, je crois qu'il y en a exactement pareil dans Resident Evil 2, dans Resident Evil 3. Il y en a un dans Metal Gear Solid 1. Des ascenseurs en diagonale comme ça que j'ai jamais vu dans la vraie vie. Si, peut-être pour monter à côté de funiculaire ou truc comme ça. Je souffle un peu parce que là j'ai pris cher. Je fais l'inventaire. 4 balles. J'ai plus de balles qu'avant. J'ai une clé à molette. Ah non, c'est un couteau. Ça. Enfin, je suis un malade, je réorganise juste pour que c'est une belle gueule. C'est mon toc, quoi. Ciao. Et, ben, je pensais exactement pareil, mais genre, ça fait que 5 minutes, quoi. Elle a une tête de malade, on dirait qu'elle va me buter. Non. Non, non. Non. Essayez de protéger les États-Unis de Trump, déjà, Ashley, en votant. Et on verra ensuite. Est-ce qu'il y a moyen de faire ce jeu comme dans Undertale, c'est-à-dire en mode pacifique, où on ne tue personne? Je pense pas. C'est quoi ça? Il n'y a rien. On peut pas parler et dire Good morning. Je sais pas le nom de l'île où je suis. Je suis en Espagne? J'aime pas. C'est fou, j'ai rien compris au jeu. Je suis en Espagne ou en Amérique du Sud? Je crois que je suis dans un village espagnol. En tout cas, je suis pas en Turquie, ça c'est sûr. Malgré les beaux cheveux de Léon. C'est très sombre encore une fois. Qu'est-ce que c'est? C'est l'origine du virus? C'est ce qu'ils ont miné, c'est ça? Ils ont miné et dedans il y avait la plaga, qu'ils appellent ça. Oh, c'est beau! On va faire des diamants. Ah, de l'herbe jaune. Je vais pouvoir avoir un petit peu plus de vie. C'est dingue. Alors attendez, parce que j'ai envie de tout fouiller. Je veux qu'il me loupe. Bébé. Très cher Lord Sadler, j'ai l'immense plaisir de vous informer que je ne lis pas les notes. Ok, je crois que j'ai récupéré tous les objets. Donc c'est l'ambre. Ah voilà, c'est dedans les petites bestioles là. C'est pour ça faire attention quand on mine dans la vraie vie. Ça va être un mini boss. Our divine providence ensue. Such profound blessing for all. Lost Plague. Tu peux m'appeler Léon, mais pas. Welcome. On dirait l'acteur qui fait Voldemort. C'est horrible cette tête, j'ai l'impression d'avoir des caries. Ça me chatouille au niveau des gencives. Moi j'aime bien qu'il fasse ça, parce que ça casse un peu le cliché du héros qui fait rien, genre parce qu'il a quand même une arme braquée, donc effectivement il pourrait le one-shot. Donc, j'aime bien ce petit détail. Voilà. J'aimerais bien qu'on accepte cette transformation, qu'on devienne un zombie et qu'on vive notre petite vie de zombie tranquille. Elle va me tirer dessus. Oh! Yes! Ashley! Mais putain, mais tu tires maintenant, trop bien. Je suis en train de la kiffer, Ashley là. C'est bien fait le visage de Léon là qui lutte. Attention par contre. Attention. Il y a la sécurité enfant. Voilà, parfait. Pray forgive these wicked sinners. My faithful disciple shall deliver to you your... C'est un acteur connu ça, non? Son visage me dit vraiment un truc. Now, child, you need not be afraid. Submit your body. And release yourself from fear. Après, il y a forcément une influence, en tout cas. Son sceptre est terrifiant. Je pense que dans certaines soirées BDSM, par contre, ça pourrait faire une fureur, ce genre de truc. Tout comme les tenues des nonnes à tête. C'est dingue. J'aurais aimé que ce jeu sorte en film et que ce soit Kubrick qui le fasse. En mode Shining, quoi. Et le mec avec la robe, ça fait un peu Eyes Wide Shut. Hop.
Alors, il a des techniques de rechargement, j'ai repéré, il en a une en particulier, où il regarde s'il reste une chambre engagée dans son flingue, et c'est comme dans John Wick. Et là, toutes les petites bestioles... Ah ouais... Bon, je suis assez content qu'on soit débarrassé d'Ashley, donc moi, je suis pas sûr que j'ai forcément envie de la sauver. Et je peux pas aller là, à tous les coups, va falloir que je retourne sur mes... Ah bah d'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on repasse en mode jeu d'horreur? Je n'espère pas. Attention les copains. Il a un casque je crois, mais bon. Moi j'ai une balle. Si je vais à gauche, je vais là. Si je vais à droite, je vais là. Donc j'aimerais bien fouiller ça avant. Et ensuite je m'occupe du campement. Donc je vais aller à droite. Voilà, j'ai une vision. Ils m'ont vu les mecs ? J'arrive pas à voir. Ah si, c'est bon, j'ai vu. Donc là, en fait, ça me permettait d'avoir un point de snipe. Ah bah il grimpe. Ah merde. Faut que j'apprenne juste à viser et après je suis bien. J'ai plus de balles. On va y aller à la mitraillette parce qu'il faut que j'utilise cette mitraillette. Voilà, je vais vous faire tomber un par un. Il y en a un qui va arriver dans mon dos, c'est sûr. Mais bon. J'aime pas du tout la mitraillette parce qu'elle fait pas de dégâts et j'utilise beaucoup de balles pour rien. Je vais refaire le tour par l'autre côté. Attendez, là il y avait une salle que j'ai pas fouillée en fait. J'entends, je sais pas si vous entendez, il y a ça là. J'en ai loupé beaucoup donc ça me sert à rien mais bon. Je dis pas. Je pense que... je sais plus si j'ai récupéré des diamants. Je crois que j'ai récupéré des diamants et que je peux... Ouais. Un fois trois. Je pense que j'ai pas géré trop les couleurs. Il y a peut-être un truc que je peux faire. Si je fais deux rouges, deux verts, est-ce que ça compte comme un combo? Un fois cinq, c'est... Enfin, 1,5, c'est mieux. Et là, j'ai plus rien. Ok, mais ça me permet de faire un peu de fric. On a une grenade et munitions de mitraillette, ok. Après, la mitraillette, si je l'améliore, j'imagine qu'elle est sympa quand même, mais... C'est vrai que j'ai un peu l'impression de gâcher plein de balles pour rien. Ensuite, je pense quand même que quand on craft des munitions de mitraillette, on en craft beaucoup. Attendez, c'est là le camp? Ouais. On a une barre d'or, ça c'est G en plus. Grand, ok. Oui, bah oui, c'est là où j'ai tué les gens. J'avais du mal avec la géographie du lieu. Derrière, ouais, c'est là où je descendais avec l'échelle. Hein. Ok. On récupère tout. Voilà, je pense que j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer. Hop, j'appuie sur ranger parce que je suis un malade mental. Est-ce que je peux crafter? Ouais, alors. Une verre plus jaune parce que comme ça je vais récupérer un peu de vie. Et on va le transformer en mélange costaud. Mitraillette, je m'en fous. Fusil, c'est vraiment... Ça me dépanne bien le fusil pour l'instant. Et grenade aveuglante aussi. Voilà. Sur le fusil, là, quand il y a les invincibles, les immortels, c'est vraiment... Hop là. Alors j'ai la mitraillette, j'ai envie de l'équiper parce que... Les dog tags. Opération Ravière. Apparemment, l'unité tout entière était interdite, à l'exception le Major. Major mouvement. Il était là. C'est moi, ça? I'm waiting. J'attends, ça veut dire en espagnol. Je t'attends. Ah, mais il y a juste marqué I'm waiting et pas marqué for you. Mais oui, c'est un message qui est adressé à moi directement. Genre, hé, Léon, j'attends, je t'attends, quoi. Ah. Ah, j'aime bien ce build-up là. Ouh, mais c'est le combat final, non? C'est trop tôt là. Enfin, trop tôt, ça fait genre 20 heures de jeu quand même. Il y a un chien qui aboie, j'arrive pas à dire si c'est dans le jeu ou dehors, chez moi. Et je trouve ça cool. Je crois que c'est dehors.
Phase 5. L'enlèvement d'Ashley. Ouais. Ça c'est une tourista, ça. De l'herbe, encore de l'herbe. J'ai peur de louper. Oula, c'est trop stylé, j'adore cette mise en scène. Look Alive, oh, c'est trop stylé. Mais il est vraiment stylé. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais la mise en scène est folle, ils sont trop forts les mecs. Ils arrivent à faire un jeu qui est cool à jouer. Donc ça déjà c'est dur. Plus une mise en scène, trop bien. Ah, je suis allé fouiller là. Alors attendez, il y a un spray. Oui, là je suis allé fouiller. Ok, mais il manque un spray, j'ai pas fait gaffe. Je le vois là. Ok. Je vais re-ranger parce que je suis un malade. Voilà. Qu'est-ce que je peux crafter? Des munitions de fusil ou une grenade lourde? Munitions de fusil, hein. C'est vraiment mon arme qui fait le plus de dégâts, donc. Et en plus, je peux voir les points faibles des ennemis. Oula, là, il y avait une arme normalement, vous voyez. Est-ce que c'est là? Et ça fait vraiment la taille d'un lance-roquette. Oh, c'est là que je vais acheter le lance-roquette, je crois. C'est là le boss final, je crois pas. Là, à mon avis, c'est un premier pré-boss. Il y a une arène. Il y a un corbeau qui fait un bruit dégueulasse. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Alors. Je vais vendre ma barre d'or. Mon minerai. Mon bleu, mon collier. Là, je suis déjà pas mal. Est-ce que j'ai assez pour acheter lance? Ah, je peux améliorer mon couteau quand même. Amélioration spéciale, la vitesse d'attaque. Ah ouais. Ça aussi, l'amélioration spéciale à 100 000, là, c'est multiplier la puissance par 1,5. C'est pas mal du tout. Non, c'est lance-roquette que j'aimerais bien acheter. Parce que je sens que là, je vais avoir des boss et je vais en avoir besoin vu que j'approche de la fin du jeu. Mais bon, après, il faut les munitions, quoi. Il est trop cool ce personnage. J'aime beaucoup qu'on n'en sache rien sur lui. Ok, il me reste 28 000. Peut-être que je peux. Je vais réparer mes trucs. Ça met le chien là, je deviens fou. C'est pas c'est chez moi. Capacité au rechargement. Ou alors j'achète rien et je garde pour plus tard. Non. Ça, j'ai pas trop besoin, capacité, tout ça, ça va. Tout à l'heure, j'ai eu quoi comme problème? C'est plutôt le fusil à pompe, là, j'ai dû recharger et ça m'a un peu. On va augmenter la capacité. Et je pense que c'est déjà pas mal. Et puis sauvegarder. Et alors, le lance-roquette, je vais l'équiper et je vais ranger, parce que je suis un fou. Mettre en raccourci, on va le mettre sous le. Et j'ai qu'une balle, quoi. J'ai qu'une balle, donc. Et quand je l'équipe, ça fait quoi? Ok, on peut zoomer avec. Je peux tuer le corbeau avec ça. Il est où le corbeau? Vous le voyez là? Ah! Bon. Est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, je dégage l'odeur du combat. C'est une belle façon de dire que je pue. Bon. Je vais recharger ça, maintenant que je peux mettre plus de balles dedans, j'augmente la capacité. 9, c'est pas mal quand même. Bon, ben là, il va y avoir du combat. Cinématique. Je vais mourir 2-3 fois, je vais rager. Mais je me rapproche de la fin, je pense. Il y a 16 chapitres, il y a marqué, je suis au 14, mais à ce qui paraît, le dernier, à ce qui paraît, d'après Google, le dernier, il est très rapide. J'ai attendu pour toi, rookie. Ok, donc c'est le duel avec lui. Donc c'est pas le combat final. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge. Je suis en train de réaliser que j'ai acheté un lance-roquette, mais j'ai jamais eu une munition de lance-roquette. Donc est-ce que le truc est à usage unique?
Est-ce qu'une fois que j'ai utilisé, ça balance objet et faut que je rachète à chaque fois? Avec le visage ensanglanté là, ça fait un peu le Marlon Brando dans Apocalypse Now. Et même le décor un peu, les flammes, les pierres en ruine. En tout cas, il y a une musique épique qui se lance. Et c'est vrai que c'est fou quand on pense à Resident Evil 1, 2 et 3 qui sont sortis avant. Celui-là, c'est très différent, mais c'est vrai que ça a du... Ok. Hop, dans la tête. Hop, dans la tête encore. Tu te lèves ou quoi? Hop, à côté de ta tête. Hop, tu fais des supérieurs maintenant. Hop, dans la tête. Hop. Hop, dans la tête. Ah bah, non. Ah ok, le mec il fait ça quoi. T'es où? Ouais, ça fait vraiment Apocalypse Now là, il se cache. Là, il y a une mine. Je vais tirer dessus, à tous les coups, ça va le faire sauter. Super! J'ai mis plein de balles, j'espère que ça va pas servir à rien. Hein. Il est où? Il est parti, genre c'est fini le combat contre le boss, hein? Il est trop bien, je kiffe ce jeu! Même si c'est une love-hate relationship. Ok, bah je pense que je vais devoir descendre. Hein. Je peux descendre, je peux pas descendre. Il est où? J'ai tiré toutes ces balles pour rien, je sens qu'en fait c'était scripté, ça m'énerve. Parce qu'il a pas de jauge de vie. Après, peut-être que je lui ai descendu assez de vie pour qu'il se barre. Ok. D'accord, je peux lever la porte. C'est joli, regardez-moi ça là, comme ça. Oh, une petite herbe encore. Ah, il y a eu. Dès qu'il y a le tambour, je me dis il doit être là. Je vais en profiter pour pré-détruire ça, comme ça j'aurai juste à aller récupérer l'objet de tout à l'heure. Il va arriver, il va me mettre une tatane dans la gueule. Ok, non, c'est bon, je peux y aller. Hop! Pas mal le coup de la grenade de flash en tout cas. Mais je pense que j'ai mis toutes ces balles pour rien vu que dans tous les cas je pouvais pas le battre en fait. Je m'en fous, j'ai un fusil à pompe mec. Où que tu sois. Ah là 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 là. Voilà, parfait. J'ai l'impression que ça sert à rien de faire des dégâts. Mais c'est, j'ai vraiment l'impression d'être Apocalypse Now, c'est trop bien, mais il est fou ce jeu. Qu'est-ce... Mais le mec, il arrive dans ton dos, en fait. Mais ferme ta gueule. Oh là là. Waouh. C'est trop stylé. Je suis vraiment la proie et c'est le chasseur. Comment je peux faire, là? Ça va péter. Ça va péter. Je vois pas trop comment j'aurais pu faire autrement. Ah là là. Mais j'en ai marre en fait. Ok, non mais d'accord, le mec il se fout de ma gueule, il a tout changé en... Ça marche ça? Ok. J'ai plus de vie déjà. Hop, on en profite pour augmenter sa... la taille de son truc. Bizarre cette phrase, ok. C'est un peu comme une énigme quoi. Faut que je commence d'un côté. Comme ça je peux passer par l'autre côté maintenant. Ah! Voilà. Maintenant je peux détruire ça. Pour aucune raison mais. En tout cas je garde mon fusil à pompe. T'es où? Il est où? Il est dingue ce jeu. Je me ferais pas avoir
Ah. Ça va, on apprend de ses erreurs quand même. Hein. J'ai trop peur maintenant, j'ose plus avancer. Ah. Ok, bon. Non. J'ose plus rien faire en fait, tu me fais trop peur. T'es où? Non mais je pense que j'ai tiré toutes mes balles de fusil tout à l'heure pour rien, parce que c'est un boss script. Qui est merveilleux, hein, mais je pense que sa barre de vie n'a aucune importance là où j'en suis. Je pense pas que j'aurais pu le tuer avant de faire tout ça là. Il va encore me tirer une roquette dessus, j'ai si peur. Bon, en tout cas, le jeu il me donne beaucoup d'objets, donc c'est pas trop mal, mais... J'ose plus y tirer dessus, et qu'est-ce que je peux crafter? Je range! Est-ce que je suis un fou? Hop. Mélange d'herbes, ça c'est pratique, ça permet d'avoir de la vie. Vie qui peut être pratique dans un jeu où je ne fais que mourir. J'exagère, je mens. Oh, attendez, il y avait un... C'était quoi? C'était un reflet? Ah ouais. C'est où la suite? Finalement, comme je parle... Je viens d'où? Non, je viens de là, il faut que je monte. Peut-être faire n'importe quoi. Ah non! Non, 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 t'es où? T'es où? Trou du cul. Zoom 1, 2, y'a aucune différence. C'est un zoom qui ne sert à rien. D'accord, arrête de me parler. Comment il s'appelle le mec dans Apocalypse Now, Marlon Brando, le héros là? Enfin, c'est pas le héros d'ailleurs, c'est plutôt l'anti-héros, mais. Plutôt l'ennemi du héros. Ah! Ah ah! Ah d'accord, super. Laisse-moi le temps de te viser et ensuite on voit. Ah! Ah! Ça sert à rien, j'ai l'impression. Je pense que je peux pas le tuer, que c'est juste lui qui va me faire très mal. Je vise à côté parce que je suis en stress. Ma manette tremble, ma main tremble, mon cœur tremble. Adieu, je suis en crise d'hypoglycémie. Il va remonter, il va revenir. Voilà, il remonte. Comme je vise bien, je vise trop bien. Je pense que je peux pas le tuer en fait. Je crois que là ça sert à rien, non? Là je vais tirer dans la tête, mais je crois que ça sert à rien. J'utilise mes balles pour rien, quel débile. Je vais peut-être me remettre de la vie en tout cas. Ah, je suis en panique. Ok, je vais me remettre de la vie. Déjà. Et on range! J'aime bien quand c'est rangé. Et je crois que je peux pas le tuer. Je pense que le jeu veut juste que je suive les obstacles là en me cachant quoi. J'ai quand même récupéré ce qu'il y a là. Ça c'est ce dans quoi j'ai tiré tout à l'heure. J'ai tiré là pour pas avoir à cacher ça. Non mais si, ça a peut-être marché parce que là il ressort plus sa tête. Il y a un objet là? Non. Ah! Non, non, non. Il s'est barré, ouais. Mais voilà, je pense vraiment que je lui tire des balles pour rien. Ou alors, peut-être que le moment où il va y avoir la confrontation, sa vie sera déjà bien allumée. Je sais pas, là en tout cas ça ouvre une arène, je pense que ça sent le combat final à cet endroit. On range, putain c'est pas fou, j'ai des tocs. Oh là là, c'est pas possible. Dites-moi, j'espère que je suis pas le seul. Je pense que tous les gens qui jouent à ce jeu ont le toc de... je peux rien construire d'autre. Hein. Non, j'ai plus rien. Après ça va, je suis pas mal équipé. Contrairement à tout le reste du jeu où je n'avais aucun... Bah, j'ai plus de JD par balle par contre. Ok, c'est là le combat au couteau. Casse-toi, ferme ta gueule. Voilà. Ta gueule. Hop, j'ai esquivé parce que je suis pas comme toi, je suis pas nul. Hop. Hop, j'esquive, je suis un fou. Viens là. Allez! Hop, j'esquive! Hop là, je vais te tuer! Hop, j'ai pas esquivé parce que je peux pas tout le temps être au top! J'étais pas loin quand même, hein. Ah, il me tire son chapeau. C'est une sorte de victoire cordiale. J'en suis pas mal tiré, non? Il va se transformer en quoi maintenant? Ah non, mais ça m'écœure. Je veux pas être sûr de... Je veux pas avoir ça. Berk.
On dirait une épée dans Soul Calibur. Ouais, ça fait un peu ça. C'est en Soul Calibur, je sais plus dans quel jeu, il y a une épée comme ça avec un œil dessus là. Waouh. Est-ce que j'en aurais mis des balles à ce con? Oh, cette caméra première personne là, ils savaient pas encore, mais ils allaient ensuite sortir Resident Evil 7 qui est en première personne. Oh là là, ça se. Mais c'est vraiment. Ah, j'ai pas eu le temps d'appuyer sur R1, désolé. Oh, c'est trop ouf, mais c'est vraiment prédateur et proie. Oui, bah arrêtez de vous taunt tout. C'est trop stylé, c'est un boss très scripté. Herbe jaune, il est où? J'ai trop peur. Ah, Israël, il a dit. Il était déjà au courant du conflit, mais c'est fou, ce jeu était tellement précurseur. Ok. Niveau craft, la munition de mitraillette, ça j'aime pas. Grenade aveuglante, peut-être ça peut m'aider à lui casser la gueule. Mélange d'herbe, vert, jaune, rouge. Ça je vais en avoir besoin. Grenade aveuglante, je veux bien. Munition de mitraillette, je ne veux pas. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Ah, je réorganise. Ok. Ah, j'ai pas appuyé sur rond. Je suis trop nul. Putain, je me fais avoir comme une merde là. Il m'a vraiment eu. Je pense que j'aurais pu lui caler des petites balles, mais j'ai l'impression que ça sert à rien. En tous les cas, je peux pas le tuer, donc... On va recharger le fusil à pompe, on va recharger le pistolet, on va essayer de se mettre dans les conditions optimales pour mourir. Je vais peut-être me remettre de la vie aussi. Encore une herbe jaune, hein. Je commence à approcher de la fin de la vie maximum, donc finalement, j'ai pas trop niaisé, hein. On grimpe, est-ce que c'est là le final? Ouf. Oh shit. Ah. Training's not done. Last lesson starts right now. Je me demande à quoi va ressembler le boss final. Ce sera certainement un monstre géant comme dans tous les Resident Evil, une espèce de gros truc dégueulasse. Hop, j'ai esquivé parce que je suis pas une merde. Hop. Hop, j'esquive. Hop, j'ai pas esquivé parce que je suis nul. Hop, j'esquive. Hop, grenade. Hop. Fusil à pompe. J'ai pas réussi. Je vais y arriver. Ma problème, c'est qu'il se protège bien quand même. Ah, voilà. Dis-moi que toutes les balles que je t'ai mises n'ont pas servi à rien, s'il te plaît. Là, il y a un couteau. Aïe! Ça va être dur de te battre du premier coup, mais pourquoi pas. Aïe! Waouh! Je suis mort. Non! Vous avez vu, il était juste en train de me mettre un coup. Je pense que c'était le coup final. Et Dieu merci, j'ai de quoi me soigner encore une fois. Ok. Ah là là, c'était. Ouais, là j'étais mort en fait. J'ai vraiment esquivé une mort certaine. Putain, ça devient dur, hein. Ça devient vraiment dur là. Oh là 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 là. Couteau. Je pense que je vais pas l'avoir du premier coup. Oh là là, c'est dur. Hop, j'ai esquivé. Putain, c'est dur. J'ai qu'un appareil de soin. Peut-être que je peux monter là. Peut-être qu'il y a des choses à faire en haut, non? Ah là là! C'est la mort assurée là. Putain, c'est dur.
Ah, j'ai appuyé sur L1. Mêlée. On recharge. Ah, putain, c'est dur, c'est trop dur. C'est dur de voir le... Putain. Va falloir que je fasse attention là, parce qu'il est vraiment en train de... Oh là là. Dis donc, lâche-moi toi. Ah putain, c'est dur. Vous savez quoi, je vais y aller au lance-roquette. Oh. Incroyable. Incroyable, trop heureux, c'est que ça fait pas mal de dégâts, je pense. J'ai bien fait d'acheter ce lance-roquette là. J'ai eu du premier coup, c'est ma grande fierté. Ah, c'était mon boss. C'est toujours comme ça, faut toujours se battre contre son supérieur. Moi, c'était mon CPE au lycée qui... Ça s'est fini comme ça. Non, faut pas que je dise ça, parce qu'il y a tellement d'agressions en ce moment. On va croire que c'est moi, là. Ah, mais je suis soulagé. Voilà, je tue du premier coup. Couteau militaire, trop bien. Trop bien. Je pense vraiment que je me rapproche de la fin. Alors, attendez, je vais regarder dans mon truc. Qu'est-ce qu'on peut crafter? Toujours rien. Je n'ai toujours aucune capacité. Quoi que ce soit. J'ai pas oublié des objets. Ah bah j'ai pas le temps. Voilà. Tout ça pour ça. Et ça c'est pareil, c'est beau. Ça fait un lever de rideau, c'est merveilleux. Ils sont trop forts. Je sais pas qui est le game director, mais... Chapitre terminé, j'arrive au dernier chapitre. Je crois que c'est ça, hein. Je crois qu'il y en a 16. Ah ben non, j'étais au 14, j'ai le 15 et 16 encore. Oh là 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 là. Ennemi tué 67, mort 3 fois, attaque subie 48. On m'a cassé la gueule. D'habitude, on est plutôt à 18, 12, 29. Là, 48, je me suis juste fait... Je suis fait chambouler. Bon, bah on attaque le prochain chapitre. Hein. Je suis trop heureux, voilà. J'ai 10 ans de retard. Et je vais enfin finir ce jeu dont tout le monde me parlait. Et je comprends pourquoi on m'a parlé, parce qu'il est vraiment... Il est trop bien. Et de le découvrir en plus dans cette version magnifique, c'est... Excellent. Par contre, moi, dans mes souvenirs, quand les gens y jouaient, parce que j'avais vu les images de GameCube à l'époque, ils avaient un laser, c'était un point rouge, non ? Mais genre j'ai vu que je pouvais en acheter un au niveau du vendeur, mais est-ce que les gens devaient l'acheter ? Il me semblait que c'était le viseur de base quand je jouais. Je vais regarder là, on va voir ce qui se passe. Je vais encore voir des trucs auxquels je peux pas participer, ça va me frustrer, je vais voir des gens faire la fête là. That's gotta be their sanctuary. Coucou Maki. Ashley. Là j'ai l'impression qu'elle est pas retenue en otage, mais qu'elle y va de façon volontaire. Je pense que la paroisse, c'est ce qu'il lui fallait. De toute façon elle a une vie tellement dégueulasse que je pense qu'il fallait qu'elle se... Qu'elle se retrouve dans un culte religieux. Ouais. Oh là là, il va y avoir encore plein de combats là, ça va être compliqué. Jusqu'à maintenant, j'ai tenu bon dans tous les trucs horrifiques là. Je pense que c'est jouable. Ah, il y a le vendeur. Normalement, j'ai récupéré quelques trucs.
Le lance-roquette, je l'ai plus, c'est donc ça, c'est bien un usage unique, un lance-roquette. Après, je suis pas mécontent de l'avoir eu, parce qu'il m'a quand même permis de... de one-shot, enfin pas de one-shot, mais de me débarrasser de... I suppose. Ok, donc j'ai loupé les rats qui voulaient que je tue. Je suis désolé. Est-ce que je peux sortir des trucs, là? Non. J'ai rien à vendre, en fait. J'ai rien à vendre. Parce que ça, il faut encore que je mette un rubis dessus. Ça, j'en ai que 5. Est-ce que je veux un jeton doré? Non. Est-ce que je veux de la poudre? Non. Ça, c'est pour faire de l'argent, mais... allez, à la limite. Ah, mais je peux en acheter... Moi, je peux en acheter à l'infini. Est-ce que c'est ça, gâcher son fric? Je pense que oui. Après, c'est pas mal d'en vendre 21 000. Et là, je peux réparer mes trucs, au moins. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas mal. Couteau militaire. Ah ouais. Mais lui, je peux le vendre, en fait, ce couteau-là. Est-ce que je le vends ou pas? Ou est-ce que c'est intéressant d'avoir les deux, au cas où il y en a un qui se casse? Parce que lui, il fait un de dégâts de base, alors que l'autre, à fond, il fait un. Enfin, et résistance 1,8. Bah non, je vais vendre celui-là, je pense. Multiplier la puissance par 2. What? Ok, je suis tout excité. Merde, c'est lequel? Ça, c'est le nouveau, hein. Uniquement pour le combat. Sa lame est à la fois tranchante et très résistante. Ça, ça me plaît. Donc, je vends ça. Est-ce que je fais une connerie? Je sais pas. Ok, ouf, calme-toi. Respire. J'ai presque 100 000. Qu'est-ce que je peux faire de 100 000? Je pourrais améliorer mon pistolet, qui est quand même mon arme de... prédilection. Amélioration spéciale, multiplier la puissance par 1,5. Il y a trop de trucs. Je suis au paradis, là. J'ai plein de pognon. C'est ça, le capitalisme. C'est donc ça. C'est pour ça que je suis heureux. Qu'est-ce que je dois faire, là? Qu'est-ce qui va m'a... Ok, on fait par étapes. Je répare mon gilet pare-balles. J'ai 10 000 en moins, mais c'est du gâchis d'argent, quel con. En même temps, j'arrive à la fin du jeu, je pense. Donc le couteau, je sais pas si c'est si utile que ça de l'améliorer. Peut-être améliorer mon pistolet, quoi, ou mon fusil anti-émeute, je sais. Pistolet, il est au max, de toute façon. Il est trop bien. J'ai peut-être augmenté la cadence de tir. J'ai l'impression que j'ai la manette un peu molle. J'ai la gâchette un peu molle quand je tire. Mais... est-ce que je peux acheter un lance-roquette encore? Ah, il y en avait qu'un. Super. Trop bien, j'avais qu'une opportunité de roquette. C'est donc ça. La vie de merde. Là, je sais pas quoi faire là. Qu'est-ce que je peux. Cadence de tir par deux, ça m'intéresse pas. Mais je pense que je vais utiliser mon ticket spécial hein, pour le pistolet. Ah bah non, 100 000, je peux pas. Est-ce que. Je pense que je vais revendre un truc pour être à 100 000. Allez, je vends la couronne. On approche la fin du jeu de toute façon. Ça y est, je suis dans une folie. Ça y est, je suis en Black Friday. Là, je suis en train d'acheter plein de trucs dont j'ai pas besoin. Amélioration spéciale. On va faire ça. Hein, Allez. Je sais pas si c'est une connerie ou pas. J'ai débloqué un succès donc. Donc voilà. Je pense que j'ai un flingue qui a quand même de la gueule. On va augmenter rechargement. Mais pourquoi j'ai 100 000? Je comprends pas. Ça me les a pas fait dépenser? Pourquoi j'ai 131 000 là qui viennent d'arriver? Je comprends rien. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas dépensé 100 000 pourtant et le jeu m'a donné 100 000. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. C'est que le ticket nous rembourse en fait, c'est ça? Je sais pas. J'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est dingue comme je n'ai absolument rien compris. Ok. On va augmenter la résistance du couteau. Voilà, on va augmenter un petit peu ça. Un petit peu le rechargement. Ça, la capacité. La capacité de ça, voilà, je fais un peu au pif. Je distribue mes sous comme ça, je donne. Je suis dans le don de soi. Voilà, ça, j'ai augmenté la capacité, donc maintenant je peux avoir combien de balles dedans? 25, je dirais? 30? 30, c'est pas mal, même si je n'aime pas cette arme. Donc voilà, mais je... Ok, donc normalement j'ai un flingue qui a de la gueule, j'ai un couteau qui a de la gueule. Ça devrait le faire. Ashley, on va venir te chercher au couvent.
On va voir s'il y a un intérêt. Il y a un petit chargement en haut à gauche, là, donc ça sent que je vais me faire agresser par absolument toute la population. Alors, toi, t'as un... Voilà. Toi... Hop, il a dit Iniesta, c'est-à-dire qu'on parle football. C'est quoi ce truc qui m'empêche de lui tirer dessus, là? Oh bah, c'est qui? C'est Ashley, putain, elle est appris à conduire un hélicoptère, maintenant. Donc j'ai tiré sur ces mecs pour rien, voilà, j'ai gâché deux balles alors qu'il y avait un hélico qui allait m'aider. C'est un peu mon quotidien dans ce jeu de merde. J'ai plus de lance-roquettes, c'est dommage. T'es un ami, toi, ou pas? Ah, c'est un copain! Je sais pas qui t'es, Mike, parce que comme je suis pas l'histoire du jeu, je sais pas qui t'es, merde. Iniesta! Arrêtez de dire Iniesta, ce que... Ah, j'ai tiré à côté. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est super d'améliorer ses armes, mais faut viser. Ok. Voilà. C'est vrai que si on vise pas, c'est pas... Voilà. Hop. Ma prise préférée. Dans les files d'attente du McDonald's. Maintenant que j'ai un couteau de combat, là... Ok, non. Pas forcément. Attendez. Tire-lui dessus, s'il te plaît. Il me fait mal. Aïe, ça, c'est moi, hein. Super sympa, ce monsieur-là. Ah mais non, d'accord, c'est qu'il y a vraiment un méchant qui est sur une tourelle. Mais je peux pas l'avoir. Attention, attention. Je comprends rien à ce qui se passe. La tourelle, là, il y a quelqu'un. Ils sont beaucoup, hein. En fait, tant qu'ils viennent là, ça va, l'hélico les défonce. Ah, j'aime bien. Là, j'aime bien. Je peux pas les tirer dans la main, lui, là. Il a l'explosif dans la main, là. Attendez. Putain. Ah ouais, c'est vraiment en train de devenir action plus, hein. Ça, c'est ce truc là-haut, là. Je sais pas comment faire pour l'avoir. Voilà. J'arrive pas à voir, c'est trop sombre pour moi. J'ai plus de balles. Je prends des dégâts quand même. Ah, c'est bon, il l'a eu. Merci, Mike. Je ne sais pas qui tu es. Mais... En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir des gens comme toi dans mon entourage proche. Des gens en hélico. Je récupère tous les objets. Hop. Alors, le chemin me dit d'aller vers là, ce qui veut dire que moi, avant, je vais explorer là. On va voir ce qu'il y a ici. Ok. Je vois rien. Alors, peut-être qu'il faudrait que j'augmente l'humidité de mon écran, mais j'ai pas les capacités mentales pour faire ça. C'est-à-dire que j'ai la flemme. Je vois littéralement rien. Je vois mon reflet en fait dans l'écran. Et c'est encore pire. Ça fait encore plus peur. Tac. Ok. Donc là je récupère. Ah non! Regardez cette herbe là, elle fait vraiment un. On dirait une danse du ventre. On se croirait dans un concert là. Ils font des headbangs, vous savez, c'est le Hellfest. Ouais. Voilà. Enfin moi c'est ce que je vois. Ok, bah je crois que j'ai tout, hein. Je vais recharger ça. Mais c'est vrai que le jeu, il est sympa, parce qu'on en a chié comme pas possible avec notre boss, le méchant à couteau, et là, il nous met un allié en hélicoptère. Et ça, encore une fois, c'est une gestion du rythme de jeu qui est folle, parce qu'ils savent, les mecs, après tant de frustration, faut un temps de pause, ensuite, faut une récompense. Ah ! Et c'est du game design de fou, quoi. Je sais pas si on dit game design, si c'est la gestion du rythme du jeu. Comme une symphonie, quoi. Il y a les temps de pause, les temps d'excitation. C'est de la musique. Les mecs, ils ont bien composé leur jeu. Là, il y a un truc à faire péter, là. Ah non. Voilà. Toi, t'as plus de bras. Ah non, mais t'as un truc dégueu. Attends, ça marche bien. Ah, je peux voir les points faibles maintenant. Là, ça veut pas dire que j'arrive à les viser, hein. Il y a quand même toujours mon problème de... Bah dis donc. On se calme. Waouh. Eh oh. Il est où l'hélico quand on a besoin de lui? Voilà. Il y a encore les herbes qui font la Zumba. Les Zumberbes.
portée de premier secours. Est-ce que j'en ai besoin? J'ai peut-être besoin de me soigner, non? Hop, on réorganise. Je deviens fou. Je deviens fou. Enfin, je l'étais déjà, mais on va dire que ça se révèle. C'est un révélateur de folie, ce jeu. Munition de fusil, parce que je vise mal. Et voilà. Que la musique très reposante. Un petit thème délicat. C'est un méchant là-haut? Non, il n'y a plus de méchant là. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? On dirait un mortier. Waouh! Ah non, mon hélico! Mike! Bah ouais. Putain, ils sont mieux équipés que dans les autres Resident Evil, les zombies quand même. Il n'y a pas moyen de lancer une grenade par-dessus là? Et de cheater un peu? Vous pensez? Je la tente? Je sais pas si c'est très bien visé. Ça a marché? J'ai envie de la tenter quand même, hein. Je suis sûr que c'est du gâchis, mais je veux voir un peu si le jeu a pensé à ça. Ouais, mais ma grenade, elle rebondit pas. Enfin, elle rebondit. Enfin, je sais plus ce que je dis. Oh, putain. Bah ouais, je veux bien, mais non, je peux pas. C'est fait exprès, je peux pas tirer en cloche. Et donc, je dois aller où? Je descends? Je peux faire le tour, c'est ça? Je peux contourner? En tout cas, il y avait des objets là, donc je prends quand même. Oui, c'est ça, je pense. Bah non, je contourne pour aller au même endroit. Ça s'appelle être un génie. Ah non, je peux passer par la fenêtre, je ne peux pas passer par la fenêtre. Qui me tire dessus? Attention, laisse-moi, est-ce que je vise mal? Laisse-moi le temps de viser. Voilà. Il faut prendre en compte mon handicap. Comment je fais? Je descends par là? Paradonde! Putain, il y a des méchants partout là. Aïe! Je veux faire un rush pour choper des objets en fait. Il y a du monde là, hein. Je vois rien en plus. Ah! Je vais faire de la mêlée là. Hop! Hop! Pff, il se passe quoi? Ah non! Je sais même pas comment ça se fait que je suis encore en vie. Je pense que le jeu est très... très gentil avec moi. Il y en a encore ou c'est bon? Je suis déjà allé là. C'est là d'où je viens, non? Ah non, c'est là qu'il faut que j'aille, je crois. Putain, il y a trop de... mon esprit, en fait, je veux tout faire, je veux tout visiter. Mais je pense que les ennemis vont arriver à l'infini. Je pense que je pouvais monter par en dessous, là. Et comme je vais explorer pour voir si je loupe pas des objets... Je pense qu'ils vont arriver à l'infini. Ah, pas mal, ça. Parce qu'en dessous, là, il y avait une échelle... Bon, allez, je verrai après, de toute façon. Ah, il y a des trucs partout, je deviens fou. Attendez, déjà, je vais essayer de... d'offrir la possibilité à mon copain hélicoptère de s'en tirer. Voilà, je déverrouille la porte. Putain, la musique, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu quelque part, là. Tain, on dirait un thème connu de cinéma, là. Tain, non, ça veut dire rien, c'est bien un truc. C'est peut-être... Tain. Vous comprenez, hein? Hop, on re-range. Je peux pas y aller, là, en fait. D'accord, et l'échelle que j'avais vue, c'était ça. Donc j'en profitais pour voir si j'ai loupé des objets. C'est vraiment de tout fouiller, mais c'est dur de... Ok, je crois que j'ai rien loupé. Ta. Eh, ça fait un peu, ouais. Tain. Hop, c'est la poudre. Qui est-ce qui me tire dessus? Ouh, ils sont là-haut. Hop. Lui, je vais me la prendre, c'était sûr. J'aurais pu l'esquiver avec L1, mais bon. Ah, je l'ai pas eu, je pense. Et lui, là, il était pas mort non plus. En fait, il leur faut plusieurs balles. Ou alors un bon headshot. Ah mais non, ils ont un protège-dents. Il y a une petite sitar qui arrive, il y a des thèmes un peu orientaux qui se mélangent. Pourquoi? On est en Espagne. Ah, c'est quoi ça? Non. Oh putain, j'ai plus de vie.
Alors je vais pouvoir encore augmenter ma vie et je pense que là j'ai... Ah non, peut-être que le rond il pourrait faire le tour complet, je ne sais pas. Du coup ça me fait penser à la barre de vie qui s'améliore dans Zelda. Hop ! Ah, super. Hop, voilà, ça c'est fait. Attention. Ah, ça suffit. Aïe ! Ok. Ok, ok, ok. Ah ! Vous, je vous aime pas trop les... Attendez, je vais prendre la mitraillette que j'utilise jamais juste parce que... Voilà pourquoi j'utilise jamais en fait. Voilà la raison pour laquelle j'utilise jamais cette chose. Ça ne fait pas de dégâts. Mais c'est agréable, on se sent puissant. Ah bah je t'ai eu. Il reste plus personne là-haut. Attends, il y a un objet. Je peux pas l'avoir d'ici. Putain mais... Aïe. Et lui il est en roquette là. Voilà. Aïe. Attends, je recharge. Voilà, ok. Alors là, est-ce que je peux l'avoir d'ici, lui? Je sais pas. Non? Y'a pas un moment où ça va se tourner, là, voilà, et par la petite entrée, là, je peux pas lui mettre une balle dans le cul? Je vois personne, est-ce que je peux? Ok, non, je pense qu'à mon avis... Avec le sniper, là, je peux pas le voir. Mais le truc est endommagé quand même, ça fume. Donc les grenades que j'ai réussi à placer tout à l'heure, elles ont pas servi à rien, je pense. Et il m'en reste deux qui sont pas équipées. Et je pense qu'il y avait peut-être moyen de l'avoir à la grenade avant. Là, regardez, si je tire assez haut, il y a peut-être moyen que ça cloche dedans, non? Là, 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 là! Ça n'a servi à strictement rien. Voilà comment on gâche toutes ces munitions dans un jeu. Qui pratique. Et j'ai pas d'adjectif donc j'arrive pas à dire quand il n'y a pas beaucoup de munitions. La scarcité. C'est en anglais ça, scarcité. Je sais plus. Tintin, tintin. Ah non mais c'est sûr, j'ai déjà entendu ça d'ailleurs. Okay, en tout cas, il m'a filé des balles de fusil. Là, peut-être que je peux l'avoir d'ici. J'ai la mitraillette, la tourelle là. Ça ne sert à rien là ce que je fais. Peut-être que quand ça va se tourner entièrement. Il est où le mec? Ah, c'est bon. Ok. Oh putain, ils arrivent tous maintenant. Ah. Je sens qu'ils sont derrière moi tous là, que je vais me faire avoir. Pourquoi je vise mal? Ça, c'était pas sympa. Mec, t'es censé m'aider. Mais non, mais j'ai une tourelle. Oh. Ah bah c'est trop tard, voilà, c'est du génie. Le jeu me donne des outils et je suis incapable de les utiliser. Ah mais heureusement, ils sont tous obligés de passer par là. Et heureusement, je sais pas viser. Je pense qu'il y en a un qui va arriver et qui va me taper, mais... Ouais, ça arrive, là. Je pense que ça arrive. J'ai les mains tellement moites. Je sais même pas comment c'est que ma manette tient encore dans ma main. Ok, question, je dois aller où? Je dois descendre? C'est grand comme endroit quand même. À quel moment on... Le jeu veut que j'aille où? Je suis pas trop sûr de... Parce que je suis monté là pour... Ah. Merci. Donc je dois redescendre. Oui, je pense que je vais redescendre, c'est ça. Je vais avoir plein d'ennemis, je vais me faire buter, mais... Ah, oh là là! Le royaume du loot. Mais ouais, mec. J'ai une balle de fusil à pompe, je vous prends un par un. Oh! Voilà, y'a que ça qui marche. Non! Voilà! Ça fait un petit crack là. C'est jamais bon quand ça fait un petit crack.
Quoique, des fois, je vais chez l'ostéo et je paye 80 balles pour qu'on me craque, donc finalement. Alors là, maintenant, on a une cornemuse de Braveheart. C'est quoi ? C'est l'Écosse, Braveheart ? Je crois que c'est l'Écosse. Oula ! Coliento, Coliento, vite fait quand même, hein, parce que là... Ah non, pas Coliento, hein. On a dit que c'était fini les Coliento, là, hein. Je pense que l'autre derrière moi, là, il va revenir. Ah merde, j'ai loupé. Oh non. Ah putain. Oh là là. Je vais mourir, en fait. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. J'étais si bien jusque-là. Mais c'est dur. Une grenade aveuglante, tiens. Comme ça, lui, là, il ne fait plus chier. Hop. Hop. Ah là 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 là. À bientôt, Je me casse, en fait. Je pense que je peux rien faire, là. Je pense que je peux rien faire d'autre que fuir. Après, là, je suis à couvert, là, pour les avoir. Donc là, je peux peut-être essayer de les choper... Un par un, parce que j'ai vu 300 et dans 300 ils disent qu'il faut. Ah non! Casse-toi, grosse merde! Dans 300 ils disent qu'il faut se mettre dans un couloir pour annuler le nombre. L'avantage du nombre. Hop! Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mec il a pris feu quand je lui ai fait un. Muta cabron! Ok, donc eux ça va. Il me reste 9 balles de sniper, peut-être que... Voilà, dans la cuisse. Et dans la tête. Il y en avait un autre, là. Est-ce que je peux l'avoir à travers sa... Je crois que j'ai eu à travers sa prothèse de hanche. C'est bon, j'ai fini le jeu. Félicitations. Ah non, attends. Attends deux secondes parce que j'ai pas le temps de... Voilà. Je crois que c'est bon, non? Non. Oh non, j'aime pas quand ils viennent des... Ok. Alors, il doit sûrement avoir des objets que j'ai loupés ici. Est-ce que le jeu va me renvoyer des ennemis ou il considère que c'est bon? Je trouve que je m'en suis plutôt bien tiré. Là, il y avait un objet. Là. Hop, munition de mitraillette. Je vais essayer de fouiller un peu... A voir s'il y a beaucoup de choses que j'ai loupées ou non. A voir, là des munitions de fusil, ça peut être utile. Je m'en sors pas trop mal quand même. Pour un premier run du jeu. Ok, là, donc là c'est là d'où je viens. Je vais essayer de récupérer les objets. La musique est à fond, sauf qu'en fait, j'ai speedrun. Hein. J'ai tué tout le monde. Mais le thème est pas mal, il est un peu héroïque là. Enfin, je l'écouterai pas pour aller au boulot, quoi, mais... Ou alors, c'est vraiment t'as un job de merde, quoi, si t'es quoi. Oui, j'aime mon travail. Attends deux secondes, parce qu'en fait, j'ai un sniper. Hop, pas mal. Je me suis entraîné grâce aux pirates. Non. Restez là. J'essaie de les faire rester sur leur... J'ai pas envie qu'ils descendent vers moi, en fait. Si j'étais malin, je viserais la tête, mais... Ah! Voilà. Ah non! Attends, parce que quand même, j'ai un pistolet qui est censé être assez puissant, là. Hein. Voilà. Ah oui, il faut que j'active les deux manivelles. Il y en a une là-bas. Okay. Ah, j'aurais pu utiliser ça, mais je pense que j'arrive pas à avoir la présence d'esprit d'utiliser les outils que m'offre le jeu. C'est un truc, j'ai l'impression de pas vouloir l'accepter, quoi. Iniesta. Oh non, il y a un gros. Oh là là. J'ai pas des grenades. Ah, j'ai plus grand chose. Là, ça va devenir complexe. Ah, ben j'aurais dû rester en haut pour utiliser la tourelle. Voilà, encore une fois, je n'utilise pas les outils que m'offre le jeu. C'est pas possible d'être aussi con. Là, je pense que si je meurs, c'est dû au fait que j'ai pas pensé à utiliser la tourelle. Voilà, là, c'est censé être simple quand même. Voilà. À dire que j'ai failli me les farcir à la main. Alors que je pouvais faire ça. C'est dingue, hein. Hop, on continue, on récupère les objets.
J'ai vu un objet sur la gauche. Des fois, il y a des reflets dans le sol et je crois que c'est... Ah, il y a un truc. J'ai pas mal de trucs à crafter, là, je pense, quand même. Il est dingue, ce jeu. Mais je comprends. Enfin, il y a 10 ans, il y a ça qui sortait, mais tu devais être sur le cul. Je vais pas activer la manivelle tout de suite. Je vais fouiller avant, au cas où ça me propulse dans la suite du jeu et que je peux plus revenir là. On va profiter de cette petite musique douce. Ça fait un peu musique Amélie Poulain, vous trouvez pas? Là, c'est noir complet. Hop, des cartouches à fusil. Okay, je pense que j'ai tout. On recharge tout. On n'oublie pas que j'ai des tourelles si jamais il y a des méchants. On recharge tout. Voilà. On est prêt. On est prêt pour ce qui va arriver. Très certainement plein de méchants. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'attend en bas? La musique ne présage rien de bon. Ok. Ça me fait un peu penser à la musique de The Witcher dans ses notes. Ashley, elle est juste en train de prier avec ses sœurs et nous on vient la faire chier parce qu'on est... C'est un jeu daté. Tintin. D'où elle vient cette musique? Ça m'en fout, j'ai déjà entendu. Ça fait un peu les dents de la mer, quoi, mais c'est pas ça. Tintin. Allez. Je monte en hélico? Trop bien, mais je pense que c'est un faux espoir. Il y a forcément un boss final, donc là, je vais pas réussir à monter. Il va se faire abattre. C'est joli. Et voilà les puces de lit. Fallait pas prendre le métro. Elle est pas passé loin de passer loin. Ouais, bon bah Mike, on va pas aller au bar, je pense. Oh, cette arrivée théâtrale là, c'est beau. C'est du Sergio Leone, ça. Oh, mais la mise en scène est bonne, c'est ça qui me surprend, quoi. Non seulement le gameplay, je fais que me répéter, mais... En même temps, il faut le dire quand les choses sont bonnes. Que le gameplay est excellent, mais la mise en scène aussi, quoi. Il y a juste ces monstres que je trouve dégueu, mais je crois que c'est le but, hein. Ok, mais eux, ils sont faits pour que le joueur se sente fort. Ça, c'est sûr, parce qu'on les tue en une ou deux balles, donc c'est vraiment juste pour me donner ce petit... Pour reprendre confiance en nous, en fait. Ces monstres, ils servent à ce qu'on reprenne confiance. Voilà, c'était pour se faire la main. On a perdu Mike, alors il y a zéro moment de deuil parce qu'on ne sait pas qui est Mike. Ah ! Voilà. Ah, il y a un contrat là-bas. Attendez, je dois aller où ? Je veux fouiller encore une fois avant de... J'entends des rats, mais je pense que c'était pas là les rats. C'est vers où ? Je vais où ? Je fouille. Oh là 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 ! Ouais. En plus, ils sont même pas écrits parce que je pense que c'est le fameux contrat que j'ai vu. Là, c'est là d'où je viens. Je suis arrivé là, il était là, monte, viens, on va au bar. Bon, ça s'est pas fait. Des fois, c'est comme ça, on prépare des plans avec des copains. Et puis, ça se fait pas. Parce qu'il y en a un qui meurt. Des choses normales, quoi. Bon. C'est si sombre. Je peux aller en bas, là? Il y a quoi en bas? C'est une salle au trésor? Qu'est-ce que je vais trouver, là? Une chauve-souris. Oh, il y a un coffre. Je savais que c'était un trésor. Je vois rien. Est-ce que tu peux sortir ta lampe torche, s'il te plaît, Léon? C'est quoi, ça? Les deux frères reposent sur toutes les terres. Tac, tac, je lis pas. Document obtenu. Et là... Oh! Un sceptre! Un sceptreux. J'adore les sceptreux. Et là, on peut pas. Il n'y a pas la queue du dragon. Et on tire dessus et ça nous donne l'épée du dragon. Ok. Donc je suis à l'avant-dernier chapitre. Il y a quand même le boss final. Je pense que ce sera le boss final, le mec qui ressemble à Voldemort, là. Qui me dit de venir. Il me dit: viens là si t'es un homme! Et du coup, je pense qu'on va y aller. Tac. Ok.
On a des munitions. J'ai un contrat bleu là-bas qui va me dire tue les médaillons, qui va m'indiquer où sont les médaillons. Donc je vais tirer sur ces fameux médaillons. Ah ! J'ai peut-être paniqué une balle de sniper pour ça. Ok, il m'en reste deux. Les deux autres, quand je vais prendre le contrat, ils vont apparaître sur la carte. Donc ça, c'est pratique. C'est ça. Mais ça me donne des spinels, mais que je dépense comme un couillon pour rien. Alors, il m'en manque un derrière, là, donc je peux pas l'avoir. Et un là, c'est à partir de l'étage en dessous. Vous voyez, là, il est flou. Et si j'appuie sur bas, il est plus flou. Donc en fait, je pouvais l'avoir dans dessous. Et comment je suis descendu déjà ? Il y avait une échelle. Hein. Il y avait une échelle, c'était là-bas. Attendez, il est où ? Est-ce que je peux l'avoir d'ici, peut-être ? Non, à mon avis, il faut que j'aille en bas. Il faut que j'aille en bas, je vais l'avoir. Hop. On peut pas glisser ou sauter ? Si, je pense que j'aurais pu. Et de là, Yopien Soke, Gujan Mestras. Je suis bloqué dans un bug. Attends. Ce serait... Ah, je crois avoir vu un truc bleu là, non ? Ouais, putain, faut le voir, viens. Ok, il m'en reste un, et lui, il est pas en dessous, il est au-dessus. Donc lui, il faut que je monte tout en haut. Et je vais l'avoir. La beauté du geste. Et comment je suis monté déjà ? Je crois qu'il y avait une échelle sur le côté. Juste là. Hop là. Donc le dernier médaillon. Faut que je vise un peu sur ma gauche. Vous le voyez d'ici ? Là, je vise presque vers le médaillon. C'est plus vers là. Mais je pense qu'en fait, c'est pas de là où je suis. Je pense qu'il faut que je... Attendez. Ah ! Est-ce que je peux l'avoir au pistolet d'ici ? Oh ! Last one. Merveilleux. Tout ça pour acheter des choses qui ne me serviront à rien. J'aimerais bien avoir un lance-roquette s'il y a le vendeur derrière. Là, il n'y a pas de vendeur. Je vois pas de flamme bleue. Je suis un peu triste d'avoir loupé les rats. Ah, bah attendez. Ça se trouve, c'est Tsera là qui parlait. Il est où le rat ? On l'a tous entendu ! On sait pas où il est. What the... Quoi ? Je vois rien en fait, j'ai trop de soleil. Aïe ! Oh non, pas eux ! Non ! Oh non ! J'arrive pas à viser ! Ah, il fait la serviette. Ah putain! Oh là là, j'arrive pas. Il est là normalement contre un faible là. Ah là là là, c'est dégueulasse. Je vais pas mourir là quand même. Non, de mémoire, au couteau ça marche bien. Dans le cul. Non, attends. Normalement, c'est au niveau de l'appendicite là, t'as un truc là. Ah! J'arrive pas. Dans la panique, je n'y arrive pas. C'est pas. Ah putain. Voilà. Je t'ai eu ou pas ? Eh non, il va se transformer en encore plus fort là. Ah non, c'est bon. Putain, ce jeu, il me met des... Il m'en met quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ça ? Les parations sont déroulées comme prévu. Ouais, tu parles, bah y'a rien qui se déroule comme prévu. Hein. J'ai trop peur qu'il y ait un. Encore un qui sorte d'un sac là, parce que j'ai plus de. J'ai plus de patience. J'ai plus de volonté de vivre. Attendez, mais y'a encore les rats là. Vous avez entendu ou pas ? Ah ! Et j'entends aussi, y'a une statuette. Le petit bruit mécanique là, mais le problème c'est que je vois rien, je vais jamais la trouver là. Ah ! Je suis vraiment en retard hein, sur ça, je pense que malheureusement j'aurais pas le. Bah c'était splendide ! Ouh ! Ça je peux le sertir, on va le sertir tout de suite d'un vert. Voilà. Et j'ai rien d'autre à sertir. Ah, j'ai un rouge aussi. x1,1, je pense que je pourrais faire mieux, mais bon. Où est-ce que je dois aller là ? Y'a pas un truc pour sauvegarder ? Non.
Je pense que ma hantise de ce jeu, c'est vraiment les gros monstres invincibles, là. Hop! Il va encore en avoir un, là, c'est sûr. De toute façon, c'est simple. Si je mets la lunette, là, est-ce que je vois... Là, il y en a un. Vous voyez, là, il y a un corps, là. Il va sortir son cul sur moi. Là, il y en a un autre aussi. Mais il y en a trop. J'abandonne. Je veux plus jouer à ça. C'est pas possible. Ils vont mettre trop des ennemis. Moi, j'ai pas les moyens. En plus, faut leur viser les points sensibles. J'ai pas de quoi faire ça. J'ai plus de balles de... On peut mettre sur le pistolet la lunette pour voir les points faibles, là? Je crois pas. Lunette biocapteur. Non. Sur la mitraillette. Voilà, parce que j'ai des balles de mitraillette, donc. Poudre noire. Ça va être là, regardez, vous voyez là? Il va me sortir dessus. Ça m'énerve. Voilà. Mais si je le touche pas, peut-être que c'est bon, non? Si je le touche pas, c'est bon. Putain, il suffit juste de pas les toucher. Ah là là! Il y a même des serpents, mais c'est pas possible. Alors là, il y en a pas d'autres. Il faut vraiment que je fasse attention, en fait, à juste pas les toucher, quoi. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Là, il y en a un autre. Je crois qu'on le voit parce qu'il y a un bout qui dépasse de dessus. Ouais, c'est ça, il y a une espèce de petit pénis, là. Ok, il suffit juste de pas les toucher. Mais dans la panique, je sens que je vais en toucher un. Ouh, ça fait peur. Hein. Et là, vous voyez, il y a deux. Si je tire... Voilà, comme ça, je vais récupérer après, là. Lui aussi, vous voyez, il y a un petit truc qui sort, là. Je pense qu'il y a plusieurs moyens de voir, en fait, qu'il y a des méchants. Ouais, ce petit bout là. Attendez, j'ai peur, je vais revérifier, y a rien là. Non, y a rien. Et j'ai peur qu'ils sortent tous d'un coup quand même. Parce que le jeu il est pas sympa donc. Si les deux sortent en même temps, je suis foutu. C'est quelle porte que j'ai ouverte parce que j'ai aucune idée. C'est ça là-bas, il faut que je cours. Putain. Et à tous les coups. Ah! Je vais pas y arriver. Laisse-moi passer. Trop bien. Ouh. Oh là là, il y a lui. Ça fait plaisir de voir une tête familière. Oh là 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 là, j'ai réussi, je suis assez content. Donc là, c'est la suite du jeu. Ouais. Donc, je vais faire des petits achats. Je vais peut-être aller au stand de tir pour me vider la tête parce que j'ai mes mains ont fusionné avec la manette. Est-ce que je peux fabriquer un truc? Je ne peux rien fabriquer. Ok, ça je peux le manger. Ça se mange bien, ça. Ouais, ça se mange bien, c'est goûtu. Et ça je peux peut-être faire des munitions. Grenade aveuglante au cas où il y a encore des bestioles. Elle est équipée, elle est pas équipée. Je vais la mettre en raccourci. Voilà, ça me sent pas mal. Je pense que je suis pas trop mal. Je vais aller sur le stand de tir, j'aimerais bien me faire quelques jetons. Et je peux acheter un jeton d'or. En fait, je pense que j'aurais pu en acheter 3 des jetons d'or avec tout ce que j'avais. Donc je vais rien faire de plus. Je vais peut-être vendre ça et le sceptre. Et ça. Ok, j'ai 100 000. Est-ce que je peux acheter un lance-roquette? Toujours pas. Est-ce que j'augmente la puissance de mon couteau? Bah déjà je vais le réparer, mon gilet pare-balles. Ça j'ai peut-être augmenté la puissance. C'est vrai que je pense que... Ah bah ça en fait, parce que finalement j'ai quand même pas mal de munitions de... Capacité, rechargement, cadence de tir. Capacité, allez. On va accélérer au chargement. Cadence de tir, parce que je me chie. Je pense que je suis pas mal. Et je vais acheter un petit spray, parce que je crois que j'ai plus beaucoup de vie. Je vais sauvegarder un petit coup.
au cas où il y a une coupure de courant. Et je vais tenter... J'ai un jeton en or, donc en fait, comment je peux choper des jetons en or? En fait, il faut que je fasse le meilleur score, je pense. Vu qu'en faisant A, j'ai jeton d'argent. Le problème, c'est que c'est dur, quoi. Allez, je vais tenter quand même. C'est pas mal ce truc, j'avais jamais fait depuis le début du jeu en fait, je m'y mets à faire qu'à la fin. Ah non, on voit là, je peux avoir que jetons en argent ou bronze. Et y a pas d'or, non. Peut-être bien plus tard, il y a des jetons d'or. Ah mais le jeton d'or en fait, c'est le jeton que je pensais de bronze. Le jeton rouge là, donc je vais tenter quand même à partir du premier, je vais essayer de faire dans l'ordre. Hop. Hop. Hop, en fait faut que j'arrive à taper tous les trucs spéciaux quoi. Ah non. Ah merde, j'ai pas eu le truc spécial donc je pense que je suis foutu. J'ai tué le marin ou pas? Ah je panique. Attendez, là je peux peut-être faire un tir pour en tuer plusieurs d'un coup. Non. Ça n'a pas marché. Ah attends. C'est dur quand même hein. Enfin moi je trouve ça dur. Ah oh, putain, faut que je recharge. Attends. J'aurais jamais le jeton d'or avec cette performance minable. J'ai quoi? J'ai rien, j'ai juste rien. Ouais, c'est qu'en fait, faut que je fasse 7000. Faut que je fasse 7000 et que j'obtienne tous les petits crânes. Je vais tenter. Tous les petits crânes plus 7000. Allez. Allez. Allez, ça, premier petit crâne, je l'ai eu. Ok. Ok, là, ce petit crâne là. Ouais, ok, je l'ai eu. Hop. Hop, on recharge. Normalement, je pense qu'il y a assez de cibles pour que t'aies jamais besoin de recharger. Je vais me mettre là et je vais essayer de tous les avoir en une balle là. Ça a pas marché. Mais bon, j'étais pas loin. Ah, je l'ai pas eu. Je pense que j'aurais pas le truc doré là. Ah là 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 là. Ah putain. Je vais devoir recharger à tous les coups, je suis foutu. Ah putain. Non, non. Là, je peux l'avoir. Ah! J'étais à 6000. Putain, il m'en manque un. Allez. Il me manque juste un petit crâne, là. Mais c'est dur de viser, je trouve, personnellement. Ah voilà, dès que tu loupes une balle, tu sais que t'es foutu, quoi. Oh! On peut pas faire recommencer tout simplement quand on sait qu'on est une merde. Après je peux peut-être encore avoir plus de 7000 si j'ai pas eu tous les crânes. Alors là c'est le moment. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui c'est bon, ça j'ai eu mais ça sert à rien parce que du coup j'ai loupé celui d'avant. Ok, donc là, en vrai c'est simple, il faut se mettre au bon endroit. Oh! Ça sert à quoi ça? Ah! Ah là-bas, il y en a encore un que j'ai pas eu. Ah putain! Ça, c'est la panique qui parle. Ah ouais, d'accord, pour tous ces avoirs, c'est chaud en fait. Bah là, je pense que j'ai au moins un truc doré de. S! Ok, il me faudra un troisième jeton d'or et je serai assez satisfait de moi. Là, je peux tenter le 5000. Là. Ouais, mais là c'est dur en fait de pas tuer tout le monde d'un coup. Là je vais essayer de tuer les deux en même temps. Ah putain, ça bouge. Je suis nul. Pourquoi Ah là là. Voilà. C'est dur. Mais on peut le faire, on peut y arriver. C'est ça qui compte dans la vie. Allez, on recharge. Je pense que j'ai pas été trop nul. Alors là, ils vont apparaître comment là? Je peux avoir les deux en une balle, je pense. Ok, pareil là, pareil. Hop, encore pareil. Ok. Il y a qui d'autre là? Il y a un pirate juste derrière là. Hop, c'est bon. Oh mince, j'aurais peut-être. Et lui là, il va être dur à avoir là. Il y en a un que j'ai loupé. Ah, c'est bon, j'ai un jeton doré quand même. Hop. Voyons voir ce que ça va me donner. J'espère que ça me donne un truc chouette. Qu'est-ce que ça me donne? Roulement de tambour.
Vie restaurée par les Black Bass plus 100%. Alors c'est stylé, mais j'en ai pas trouvé tant que ça des poissons. Mais c'est stylé. Ça me suffit. Ça suffit. Moi je considère que c'est une victoire. Je pense que tout le monde considère que c'est une victoire. On applaudit. Je vais mettre ça sur ma mallette parce que je vais manger un Black Bass toutes les 10 heures, mais sait-on jamais. Parce que les mines adhésives, on s'en fout. Donc le Black Bass, attends, lui il est où? Il est au milieu. Et les mines adhésives, j'en utilise jamais, donc... Merde, j'ai dit que c'était où? Au milieu. Donc je vais mettre ça au centre à la place, voilà. Victoire. Mais oui, c'est fou. Et que grâce au talent. Vraiment tout au talent, c'est ça qu'il faut. Voilà, petit moment de victoire avant justement de me faire éclater le cul parce que ça devient trop dur. Attendez, je reviens sur mes pas là? Non. Est-ce que ça sent le boss final ou pas là-bas là? Sommet. En général, les sommets d'un point de vue... Iniesta encore. Ah, pourquoi? Ah oui, j'ai plus de... Est-ce que je peux l'avoir? Ouais, ça c'est bon. J'ai pu m'en débarrasser d'un. Est-ce qu'il y en a d'autres? Du coup, je peux voir avec mon biocapteur à l'avance. Là-bas, il y a un méchant, là. C'est un méchant, ça? Ah, c'est des mines. Ah ouais, il y a des mines partout. Almost there. Ah non! Ça, ça me fait penser dans Mortal Kombat Annihilation, le deuxième film. Il y avait des trucs comme ça qui sautaient sur Liu Kang. Liu Kang, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, le mec, quoi. On se rapproche quand même de la fin, ça c'est pas mal. Ah là 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 là! Attends. Hop! 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 3 balles. Alors là, je peux pas les enlever à la main, comme dans Metal Gear? Non, je ne peux pas. Bah, je vais tirer dessus. Mais après, peut-être qu'il y a plein de monstres qui vont me courir dessus et que ça pourrait m'aider, non? Je sais pas. En tout cas, je peux sauter par-dessus. Donc je vais faire ça. Je pense que ça me protège plus qu'autre chose. Ah, il est pas mort, lui. Maintenant, oui. Il y a un lance-roquette là-haut, là. Hein. Et il y a cette merde aussi, là. Mais eux, ils volent, donc ils s'en foutent des mines. Bah, dis donc, tu me fais pas ça, toi? Oh. Il est dur. Hein. Aïe! Je ne suis pas un loup. Apovierto, ouais, mais bon, je peux pas tout faire. Hein. Lui, là, est-ce qu'il n'y a pas moyen juste de... Après, c'est con de gâcher une grenade pour ça, peut-être. Voilà. Et Apovierto, là... Ouais, bon, bah, Apovierto. Je pense qu'il n'a... Tu n'as pas beaucoup de vocabulaire, jeune homme. Je pense qu'il n'y a aucune communication possible entre toi et moi. Je me retire définitivement de cet échange. Une herbe jaune, je vais pouvoir augmenter... Oh, un poisson! Voilà, quand on parle du loup. Bah, du poisson. Acubierto. À couvert, ça veut dire, je pense. Aïe. Ça marche, ça? Là, il y a un truc explosif, là. Ouais, ça le tue pas. Hop. Il y a encore un truc volant, là. J'entends des petites ailes. J'ai des balles de sniper? Non, j'ai pas de balles. Acubierto, ouais, on a compris. Oh non, il s'est changé en grosse merde. Il va me courir dessus. Bah viens, je vais te laisser venir. En attendant, je vais m'occuper d'Acovialto. Je vais l'appeler comme ça. Hop, hop. Ok. Et il y a encore la libellule là. Elle est où? Vous l'entendez? On l'entend, non? Ah! Come on. Ah putain, j'ai plus de balles. Il y a peut-être moyen d'aller en haut, cela dit. Comment on peut aller en haut? Il y a une échelle que j'ai loupée? Ah, il y a une échelle là, sur l'extérieur. Je pense qu'il est pas mort, si. Non, il est là. Voilà! Il y a forcément un petit trésor ici, non? Il n'y a rien? Ok. J'ai 5 balles, cela dit.
En tous les cas, je pense qu'il faut que j'aille. Là, il me reste un objet. Et je n'aime pas ça. Je comprends pas trop par où il faut que j'aille. Ce que je veux dire par là, c'est que je comprends pas où le jeu veut que j'aille, parce que justement, je veux prendre les chemins secondaires pour bien fouiller avant de prendre le chemin principal, parce que parfois, tu fouilles pas, tu prends le chemin principal sans le savoir, une cinématique se déclenche et tu peux plus revenir en arrière pour fouiller. Donc voilà ce que je veux dire quand je dis que je sais pas où faut aller. Donc à mon avis, le chemin principal, c'est là, donc ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Ok, on fait plein de munitions, ça, c'est plutôt chouette. Il va y avoir des libellules, là. Tant qu'il n'y a pas les mecs qui me font le coup de la serviette, je sais pas pourquoi j'appelle ça le coup de la serviette, mais quand ils se mettent à ramper par terre, là, ça me terrorise. Ok, donc il y a une tourelle. On arrive vraiment, je pense que le jeu, il n'en a plus rien à foutre de moi. Aïe. Putain, il y a plein d'abielto, là. Tenez, j'ai pas le temps, moi, pour vos conneries, là. Iniesto, là. Oh. Voilà. Ils sont partout. Oh, l'esquive. Il y a trop de méchants quand même, hein, je trouve. Je trouve que le jeu, il est pas très clément. Attention, attention. Ah, alors là, je vais faire une petite grenade aveuglante pour me débarrasser de lui. On se casse quand même. Hop là, ça c'est parfait. Est-ce que je peux aller mettre des coups de pied? Je peux les mettre des coups de pied. Hop, il faut recharger maintenant. Mais normalement, j'ai augmenté ma vitesse de rechargement. Tout va bien. Hop. Excuse-moi, je vais aller taper ton pote. Ah non, trop tard. J'arrive trop tard. J'entends une libellule au-dessus de moi. J'en peux plus. Je l'entends encore derrière moi, là. Elle est là. Oh putain, mais y en a combien de ces merdes? Ça, c'est parce qu'on a laissé de la bouffe traîner dans les placards. Et il y a les mythes, là, qui se reproduisent. Putain, c'est chaud, hein. Là, en haut, c'est quoi? C'est un secret ou c'est la suite du jeu? Waouh. Alors là, il y a forcément des objets, plein d'objets, là. J'espère que le jeu va me laisser un peu de répit quand même. Hein. Ok, ça c'est bon. Là il y a plein d'objets. Je mitraille le bouton X pour tout détruire, tout récupérer. J'ai des munitions, on recharge tout. Et du fusil. On va aller jusqu'en haut. Pour moi c'est là la suite du jeu, non? Ou c'est un secret? Putain, il y a encore des méchants là, mais non! Allez, j'espère que je vais pouvoir t'avoir juste au fusil, toi. Allez, meurs, meurs, voilà. Ah! Oh! Ok, le jeu a considéré que j'étais en mode... Ah putain, mais il y en a devant, derrière, derrière... Oh là là, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Est-ce que ça me permet de tous les virer? C'est dur, hein. Hop! Iniesta! Oh putain, il va se changer. Oh, les deux se sont changés. Je panique complètement, là. Non! Juste que je souffle un petit coup. J'ai trop de tension dans ce jeu. Moi je pensais que c'était un petit jeu sympa. Un genre de Hadibou. Je sais pas où je vais, j'ai l'impression d'avoir loupé plein d'objets là. Ça déjà je bouge. Vous voyez là, il va y avoir un ennemi là-bas. S'il y a des trucs pour faire péter de toute façon, c'est qu'il va y avoir des ennemis. La question c'est ça pète ou pas? Non. C'est vraiment les bidons rouges, quoi. Oh là là, et j'ai vu un truc. Non, ça y est, je deviens parano. J'ai les mains si moites. Waouh. Ok, 12 000 pesetas. C'est avec ça je peux pas m'acheter un Coca-Cola. J'ai récupéré un poisson tout à l'heure.
grâce à mon amélioration, il va me donner beaucoup de vie. Ok, donc là, j'ai tout récupéré, je pense. Hein. Qu'est-ce que je peux crafter ? Orange ! Voilà, ça se fait. Ça. Donc des herbes jaunes, ça va augmenter ma vie maximum. Le jeu est très généreux, là. Soit il sait que je galère, soit on approche de la fin. Ouais, j'ai plein de balles, là. Ok, donc la tourelle, je vais la redéplacer pour qu'elle vienne. Voilà, comme ça on peut plus me courir après. Je pense que ça aurait pu être une technique, j'aurais pu foncer là, mettre la tourelle et avoir tous les ennemis qui me suivent. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un secret ? À quoi ça sert d'aller là ? C'est bizarre, non ? En général, quand il y a un chemin, ça sert à quelque chose. Bon. Et là ? Ok. Ok ! Waouh, c'est beau ! Ça donne presque envie de suivre leur culte, en fait. Aïe, Adam. Adam. Ça y est, on est sur le péché originel. Et je suis Ève. Ashley et Ève ! Oh mon Dieu. Elle va manger la pomme d'Adam. J'ai même pas fait exprès de dire ça. Elle est là. Est-ce que je peux la buter pour finir un peu l'histoire du jeu ? Non, le jeu, il est malin, il bloque. Je peux pas viser sur elle. Parce que parfois, il faut en finir, hein. Il faut s'avouer vaincu. Ah, ça veut dire qu'il va y avoir plein d'ennemis ici. J'aime pas ça. En plus, je vois rien. Sors ta lampe torche, sinon. Francis. Ah, merde, peut-être qu'il faut que je retienne les numéros avec les numéros, parce qu'Adam c'était 1, en fait c'était pas I comme jeu, c'était 1. Donc on a Adam et Francis, voilà, je sais pas quelle est leur histoire. Et Isaac. Ouais, d'accord, on est sur Gareth. 7. Ok, alors je sais pas s'il va falloir que je retienne ça pour une potentielle énigme ou. Je sais pas. En tout cas, elle là, il va lui arriver un truc un peu comme dans. Alien. On va lui mettre dans le ventre, ça va sortir et hop. C'est ça ou c'est pas ça ? You have come, my child. What do you want? I simply wish to share this gift with as many as possible. A humble wish, don't you think? You see, we are all. Alors, est-ce qu'on est sur une métaphore de du culte religieux où du coup ça se propage comme un virus à travers la tête des gens. Est-ce que c'est ça ? Il a une tête. Il faut que je retrouve cet acteur, je suis sûr que c'est. Je crois que je l'ai vu. Dans quoi ? Kingsman ? Comme ça. Non, je crois pas que ce soit Joaquin Phoenix du tout. Non, je sais pas. Il a mis vraiment un truc. Ah. Elle fait plaisir. Je sais pas où elle était tout ce temps, pendant que je me faisais massacrer par un million de mecs, mais. Je suis entouré de femmes qui me sauvent la vie, c'est beau. Ah, il a fait caca de la main. Je pense vraiment que j'arrive au dernier chapitre. Oula, va falloir que je fasse une fuite avec Ashley dans mes bras. Ah bah super, attends parce que j'aimerais fouiller. À mon avis, il n'y a rien à fouiller. Ok, bon bah à partir de maintenant, on marche à cette vitesse jusqu'à la fin du jeu. Hein. Attention, faut pas que je lui cogne la tête dans un. Pardon. On va lire le plan HP. Ouais, donc c'est tout droit, ça va. C'est pas la carte la plus complexe du monde. Ok, on va y arriver, HP. Et peut-être que d'ici la fin du jeu. Oula ! Waouh ! Je suis en train de me faire posséder. Qu'est-ce qu'il est bien construit ce jeu quand même, c'est fou. Ce long couloir là, ça fait. Vers la porte, ça fait Last of Us 2. Oups !
C'est bien, hein, j'aime bien. Enfin, j'aime bien visuellement, mais je suis pas sûr que ce soit un très bon signe compte tenu de la gravité de mes symptômes. Ça, c'est pas la grippe, ça. C'est pas la grippe du tout. Surprise! Oh là là. Waouh, c'est trop joli. Je vois rien, je capte rien ce qui se passe. Allez, je rentre dans les mecs là. Ah mais ils disparaissent de toute façon. Peut-être qu'il y a un succès, il y a un truc à faire. Va vers la lumière blanche. Ouais, ça sent la mort quand même hein. Perso, je rêve de ça chaque nuit. Allez. Oh, putain, c'est fou. C'est pas rassurant. J'espère que je vais me transformer en monstre et que je vais pouvoir jouer. Oh là non, je suis à genoux. Je vais prier. Allez, lève-toi, Léon. On peut le faire, Léon. On avance, Léon. Ashley, t'as été un boulet jusqu'à la fin du jeu. J'espère que tu vas mourir. Hop, clé de Louis. Oh putain, j'en souviens même pas quand est-ce qu'il m'a filé ça. Ah si, c'est vrai, en mourant, je crois. Il y a un moment, j'étais avec Louis, qui m'a aidé à me battre contre deux trolls gigantesques. Et très cliché cinéma que j'ai trouvé marrant, on lui allume sa petite clope pour qu'il meure avec. Je sais pas si c'est dans Il faut sauver Soldat Ryan, mais le coup de la clope pour crever, j'ai déjà vu ça. Ah, dans Le Bon, la Brute et le Truand, Clint Eastwood fait ça, il allume la clope d'un mec mourant. Il y a un peu ce symbole macho, dernière clope avant de crever, quoi. De toute façon, on s'en fout du cancer du poumon, quoi. On va trouver ce qu'elle a, quelle est sa maladie. Elle a une grosse mite. Oula! Ça m'a fait pareil quand on m'a retiré la vésicule. C'est à peu près comme ça. Ça fait un peu comme dans Matrix quand il retire le genre de parasite du nombril de Neo là. Je crois que c'est dans Matrix, c'est ça hein. Si c'est ça dans la voiture là. Il retire le parasite. Fini. Oh bon, ça va, c'est bon, tu cries tranquille. Hein. Même pas eu d'opération. Une petite crème pour la peau et tout ira bien, Ashley. Tu m'étonnes, il a pas dormi, c'est vrai que j'ai pas dormi depuis, j'en suis à combien d'heures de jeu? 10h? 9h? Et je crois qu'on n'a pas fait la sieste une seule fois, chapitre fini! Et je vais entamer le dernier chapitre, chapitre 16. Pouf. Est-ce que j'ai la force de le faire maintenant? Ouais, je pense qu'en 30 minutes c'est fini. Je pense vraiment, parce que sur internet il disait que le dernier chapitre est très très rapide. Donc je pense que... Je pense que c'est jouable. J'en suis à 11 heures de jeu. Donc en 11 heures, il a pas dormi, ça va, mais après, compte tenu des efforts physiques. Donc je pense que ça va être la bataille finale contre le grand méchant. Mais j'ai pas de lance-roquette, donc je suis assez inquiet. Ah, le câlin. Après, c'est la fille du président, donc ça peut apporter un intérêt de sortir avec Léon. Donc je t'en voudrais pas de tenter un truc. Sauf si elle est mineure. Elle a l'air un peu mineure. Hein. Je sais pas. C'est japonais, hein, donc on les connaît, les écolières en jupe. Les tentacules. Trop bien. T'as un vrai talent de... I'll be out of a job. Ouh, allez Léon. Petit smile. Only you. Chapitre 16, le chapitre final. On peut aller sur chat roulette. C'est quoi ça? Un micro-ondes. Vu comme elle a gaulé, elle a pas intérêt à être mineure. Mais c'est japonais. C'est ça le problème.
C'est japonais. Ok, bah, je pense que... Ah ! Alors souvent, les développeurs, ils aiment bien mettre des photos d'eux dans ce genre de truc pour rigoler. Par exemple, je suis incapable de tourner cette photo de merde. Waouh, c'est le moment le plus dur du jeu. Donc, tac, tac. Ah, mais c'est Louis au milieu. Le mec au milieu avec des cheveux longs, là, c'est le fameux Louis. Ensuite, les gens qui ont prêté leur visage pour la photo, je suis sûr que c'est des développeurs. J'en sais rien, hein, mais il y a des chances. Souvent, ils aiment bien faire ça dans les jeux, et parce que c'est rigolo, quoi, d'avoir sa tête. Un petit easter egg. Poudre noire. Ok, je pense que j'ai tout, hein, sur la carte. Je peux pas sauvegarder. Non, j'ai sauvegardé automatiquement. Ça va. Ah. Putain, je me rapproche de la fin, ça c'est fou. Alors, on va quand même regarder. Un jeton d'argent, ça je savais. On range. Est-ce que je fais ça pour avoir plus de vie? J'ai l'impression que là, je peux pas augmenter ma vie plus. Vous voyez, en bas à droite. Ça me prévient que ma vie sera à fond, mais ça me dit pas que ma vie va augmenter. Parce que l'herbe jaune, normalement, ça augmente la jauge de vie, mais là, j'ai l'impression d'être au max de ma jauge de vie. Donc, je vais plutôt me soigner avec ça. Artisanat, j'ai plus rien à artisaner. Je n'artisane plus. C'est très calme. Ah, je déteste être avec Ashley, elle me ralentit, elle crève. Je t'aime pas. Sorry. Like I said, we're a team. Ouais, on est une équipe, on est... Si, après, je suis médisant, parce que tout à l'heure, quand elle m'aidait avec le camion, le boulet, tout ça, elle était chouette, elle était cool, il y avait un truc entre nous. Là, on se fait des compliments, je pense que notre équipe, elle marche de mieux en mieux. Ok, là, je peux pas y aller. Je regarde juste s'il y a des objets. Il n'y en a pas. Elle m'a descendu l'échelle. J'arrive, Ashley. On vit une vraie petite vie de couple, c'est mignon. Voilà, on va faire le ménage. Attention... Mais oui, ça va, c'est rien. Franchement, j'ai vécu des journées pires, quoi. Hop. De la poudre noire. Des munitions. Moi, j'aimerais juste pouvoir acheter des armes, là. Acheter un lance-roquettes. Je vais remettre le bioviseur. Biocapteur sur le... Sur rien. Stingray, c'est ça, mon sniper. J'avais oublié le nom de mon sniper. Ouh là, on est dans des grottes là. Ah, mais c'est là où on était. Sauf que maintenant je suis au-dessus. Ok. Bah, je peux repasser par là. Peut-être qu'à l'aller, je pouvais passer par là et aller directement la sauver. Non. Bah, non, elle était sur l'hôtel. Ah ! Il y a des objets là ? Non, il n'y a rien. J'ai un peu du mal à voir. Donc, nous avions Isaac, Garrett, une libellule. Voilà! Très bien. Je suis bloqué. Je pense qu'il faut que je passe en dessous là. Alors, les libellules, je peux peut-être les repérer à l'avance grâce à ça, non? Ah, vous voyez là, il y a un truc. C'est un cadavre ça? Est-ce que je tire dessus? Non, voilà, c'est un truc en pierre. Voilà. Ok. C'est pratique quand même, hein. Je crois qu'il y a rien d'autre. Loué soit les insectes sacrés. Ce sont des insectes sacrés. Oh. Hop là. Ashley, tu reviens. Osmund. On les a tous. Ruben Osmund. Pendentif de Illuminados, ça c'est pour faire du pognon, ça. Dans les profondeurs du château, j'ai trouvé ma foi. Contempler les vestiges divins laissés sur cette terre. Tout commence ici. Adam Sandler, acteur éponyme. C'est quoi ça? Mais je dois aller où en fait? Je me suis gouré de direction? Ou alors faut que je. Non, faut pas que je revienne sur mes pas. S'enfuir de ville. J'étais dans le laboratoire, est-ce que c'est ça là, cet escalier là que j'aurais loupé? La porte blanche, ça veut dire que je ne l'ai pas utilisée, non? Je crois que ça veut dire ça, je crois que porte bleue. À mon avis, j'ai pu revenir là pour aller chercher, je suis en train de perdre ma voix.
Je crois que j'ai pu aller là pour chercher des diamants, mais qu'en réalité, il fallait que je continue dans le laboratoire. Je pense que c'était ça. Mais je suis pas mécontent d'avoir chopé les diams. Pour finir le jeu, avec peut-être assez d'argent pour acheter un lance-roquette. Et qui sait, battre le boss final en un coup. Comme ça, j'aurai le temps d'aller manger à midi. Je commence à avoir la dalle. Est-ce que je peux aller là? Il y a rien là. À mon avis, si c'est une porte, il faut que j'aille. Je sais pas. En tout cas, je peux pas y aller maintenant. Je vais voir ce que j'ai potentiellement loupé. Bah non, c'est là d'où je viens. Je suis perdu, ça y est. Mais non, ça, on a monté l'échelle avec elle. On était là, ok, trop bien, Ashley, ouais, on a trop une complicité, toi et moi. Et ensuite, je pouvais pas aller là. Ah non, je suis perdu. Et comment je fais pour aller là? Parce que moi, je viens du laboratoire. Il doit y avoir un interrupteur encore, c'est ça. La dernière fois, j'ai loupé un interrupteur et j'ai tourné en rond. Où est-ce qu'il y aurait un interrupteur? Bah c'est forcément en haut, si on s'est fait chier à baisser l'échelle. Pas pour rien, mais... Mais où est-ce qu'il serait? Peut-être ça, là? Je vais le faire tomber. Pour récupérer une... Je vois rien. Il a une tête de mort, un peu, ça. C'est assez cool. Attendez. Je vois pas trop où est-ce que j'ai pu louper. Bah, peut-être qu'il faut que je revienne sur mes pas, alors. Je... Parce que la porte blanche, je peux pas l'ouvrir, c'est sûr, il n'y a pas de... Donc ça, c'est l'échelle qu'on a montée avec Ashley. Hop, je monte, tac, tac, tac. J'ai loupé de la ferraille, bon, ça, c'est pas grave, je vais la... Je vais la prendre, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, je redescends, tac, et ce serait là, peut-être, qu'il faut que j'aille. Mais est-ce que... Là, ça m'a l'air fermé, quoi. Peut-être je peux grimper. J'ai peut-être loupé une grimpe. Autant pour moi. On va voir ça tout de suite. Ce serait où? Là. Voilà. Heureusement qu'il y a la carte, hein, sinon j'aurais tourné en rond. Et je peux pas pré-tuer des gens là, non. C'est glauque, hein. Pas d'objet là? Ah non, c'est vraiment ligne droite vers quai de chargement. Ah mais je pense que c'est vraiment vers la fin. Ah là là, non pas toi, je t'ai vu. Je crois que c'est vraiment la fin là. Attention, il y a une libellule. Je vais prendre les pesetas, Ashley, parce que je suis cupide. Ou cupède. Attention, faut se baisser en fait, Ashley, c'est ça le secret. Voilà. Ah, un objet. Oh, un lingot d'or, mais là je vais être blindé. Alors là, je pense que c'est la suite du jeu. Je vais pas y aller si on s'est me débloquer une cinématique, ça pue là. Hop, poudre. Ah, je suis assez excité à l'idée de potentiellement finir ce jeu qui est sorti il y a 10 ans et que je fais que maintenant et qui est formidable. Hop, j'ai mon poisson, donc ça, ça me donnera 100% de vie. J'ai pas mal d'équipement là, je suis pas trop mal. J'ai envie de quoi? Je pense que sniper, il va me falloir des balles parce que sniper, il fait quand même des dégâts costauds. Et pistolet, ouais, en fait, j'étais en train de préparer comme si j'allais pouvoir en faire plein. Échanger. Bah, de toute façon, j'ai rien d'autre, donc en fait, je vais... Ah, est-ce que je prends de la poudre noire pour faire des... Est-ce que j'ai de la ferraille? J'ai pas de ferraille. Ah si, j'ai de la ferraille. Est-ce que je veux de l'argent? On va voir. Je vais voir si j'ai des trucs à acheter ou à vendre, déjà. Clé de Louis. Hop. Pendentif d'Eliminados. Hop. Lingot d'or. Hop. Bleu velours. Hop. Est-ce que je vends tous ces trucs-là? Est-ce que c'est la fin du jeu? Allez. Soyons fous. Lance-roquette, allez, direct.
Ça pue le boss final, donc direct. Spray de premier secours, j'ai envie de dire aussi. Qu'est-ce que je peux modifier? Ça, on a la puissance au max. Ça, j'ai pas assez. Ça, j'ai, en fait, j'ai de quoi rien. J'ai envie de vendre ma mitraillette parce qu'elle me sert à rien. En fait, en réalité, la mitraillette me fait plus chier qu'autre chose. Après, elle m'a servi quand même. Allez, je la vends. Ah, je peux peut-être vendre celui que je mange pas. Ouais, 500, ça sert à rien. Non, je vais garder pour ma. Si je garde pour ma collectionnite. Hop. Ah, il est où le 5 qui s'appelle. Je sais pas si j'ai bien fait de le vendre. Mais ouais, je m'en sers si peu. Est-ce que je vais avoir besoin du fusil à pompe? Je sais pas ce dont je vais avoir besoin pour ce boss là. Bon allez, je vais monter la puissance de mon fusil à pompe. Comme ça, j'ai toutes les armes à la puissance max. Ensuite, je vais restaurer mon couteau. Je sais pas si allez. Capacité. Cadence de tir, je sais pas, il est pas mal mon flingue pour l'instant, je me sens pas... Cadence de tir peut-être. Et Stingray là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai jamais beaucoup de balles, donc en fait... Je vais peut-être acheter de quoi me faire des balles, en fait. Allez, j'achète tout de quoi me faire des balles. Voilà, il me reste 17 000. Ça, je m'en fous. Ok, je vais augmenter peut-être la capacité rechargement. Non, c'est mon flingue surtout. C'est celui dont je me sers le plus, donc. On va faire ça. Ok. Échanger. Je vais prendre de la poudre. Et là, normalement, j'ai de quoi crafter. C'est beau quand c'est bien rangé. J'ai de quoi crafter des balles. Donc je vais crafter des munitions de fusil. Et c'est tout. Ok, c'est déjà pas mal. J'ai quand même un lance-roquette, hein, soit dit en passant. Donc j'ai quand même pas mal de chance de mon côté. Hop, je vais le mettre là. En termes de survie. Après, j'ai viré ma mitrailleuse. Est-ce que c'est un bon plan? Je sais pas. Hop, on recharge ce pistolet. Ok, on sauvegarde là. Je pense qu'on arrive proche de la fin. Hop. C'est un lever de soleil ou un coucher de soleil? Je sais pas. Mais j'ai l'impression que j'arrive en bout de piste là, quoi. Ou peut-être là-bas, il y a un truc. Ça, c'est un leurre, ça. Comme dans Spider-Man. Je me souviens dans Spider-Man. C'est un leurre, c'est le bouffon vert. Je me ferai pas avoir, je vais pas y aller. De toute façon, je m'en fous d'elle, je sais même pas qui c'est, je vais la laisser. Elle m'a sauvé la vie, mais elle me casse aussi un peu les couilles, donc. Donc là, il y a un truc pour exploser, donc il va y avoir des ennemis. Je crois que c'est tout. Ok. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, écoute, on va foncer dans la gueule du loup, parce que c'est un jeu vidéo. Stay here. I won't be long. Ok. Ouais, ça sent le... Je sens que je vais pouvoir aller manger des pâtes à midi. Ada, ouh là là. Ça attaque des libellules. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire par Joaquin Phoenix. Ok, il y a un petit truc, mais c'est pas du tout à lui, je pense. Oh, on va être en duo. Allez. Prends ça, Adam Sandler. Oula, c'est Palpatine. C'est un peu Palpatine. En tout cas, dans l'imaginaire, je peux dire que le culte religieux fait penser à des choses plutôt positives.
Ok, bah lance roquette direct. Waouh. Bah il faut viser les yeux. Ça va être un enfer. Et le truc il va me one shot dès qu'il va me toucher. Voilà, j'essaie de deviner ce qui va se passer. Mais est-ce que je pars sur un lance-roquette direct? Ah, Saras, attends. Je suis un peu bloqué là. Hein. Voilà, j'ai eu un œil, je crois. Il y a un objet là. J'ai loupé ça là. Ah, ok, je pense que je vais mourir, mais c'est pas grave. Ce qui compte... Ok, bah tant pis pour les objets, de toute façon c'est le boss de fin, je pense. Ok, t'as un œil en moins. Ah non, mince. Attends, je vais peut-être l'avoir là, comme ça, là. C'est dommage, parce que je pense que j'aurais pu l'avoir au couteau, ça aurait été mieux, mais... Ah ! Allez, coup de couteau. Ok, d'accord, trop con, trop con, trop bon, trop con. Je prends pas les munitions parce que je suis nul. C'est dur. Ah ! C'est dur. Ah merde, je pensais qu'en fait je pouvais l'avoir. Ah, là peut-être. Hop ! Là j'ai réussi à esquiver. Ok. Là il y a peut-être un moment. Ouais. Ok, coup de couteau là. Oh là là. Oh, j'arrive pas à esquiver parce que je suis nul. Oh, j'ai un peu peur. Qu'est-ce que je peux crafter là? Rien. Peut-être me soigner un petit coup quand même. Alors j'aimerais bien pouvoir... Non, c'est peut-être trop tôt pour lance-roquette. Hein. Ouh là là. Oh. Ah mais il y a toutes les saloperies là. Mon dieu. Oh. C'est dur. Hein. C'est pas facile en tout cas. Oh là là. Tu peux me laisser tirer dans tes yeux. C'est dur. Attention. Je me demande combien de coups il faut encore. Waouh! Est-ce que je peux pas me barrer là? Tiens, vous êtes beaucoup les libellules là. Oh là là. Et si je tire un lance-roquette là, ça marche ou pas? Oh, je l'ai loupé. Non, c'est bon, j'ai. Ça l'a tué? Mais non! J'ai gagné? Mais non, je viens de battre le boss! Ah non, d'accord. J'y ai cru. Tu fais avoir. Est-ce que j'ai bien fait d'utiliser mon lance-roquette maintenant? Je sais pas. Laisse-moi. Comment je peux m'en débarrasser? Waouh! Waouh! Il y a un gros... Allez, laisse-moi te tirer. Allez, j'ai pas beaucoup de balles. Hop, j'esquive. Laisse-moi recharger, laisse-moi recharger. Allez, je pense que là, c'est assez... Allez, j'ai plus beaucoup de balles. 4, 3... Aïe! Est-ce que je tire pour rien? J'ai un peu l'impression de tirer pour rien. J'ai plus de balles. Aïe! J'ai l'impression de tirer pour rien. Aïe! Je peux aller nulle part d'autre, de toute façon. Allez! C'est ça qu'on veut! Putain, faut aller chercher. Ah, c'est un spécial en plus. Attention! Hop! Ouh!
crois que c'est fini. Enfin, je me méfie parce que dans les jeux japonais, il y a toujours 5 phases au boss. Après, il va se transformer en fourmi, il va falloir le trouver. C'est le vaccin ? Je vais lui mettre le vaccin. Qu'est-ce que je vais lui mettre ? Ida, what the hell are you doing? Nothing personal. Un prénom à trois lettres, dont deux fois la même. Pratique. Qu'est-ce que tu vas faire du vaccin? Il se passe quoi dans Resident Evil 5? Il était nul le 5, donc je le ferai pas. Enfin, il était pas nul, je ne l'ai pas aimé. Mais je pense quand même que c'était de la merde. Lui, je l'avais jamais fait. Et putain, qu'est-ce qu'il était bien, il était fou Resident Evil 4. Oh! Je vais faire le 6 après. Ah non, je dis non. Le 5 était très bien. Enfin, j'ai bien aimé le 5, il se jouait en coop et tout, il était vraiment cool. C'est le 6 qui était dégueulasse. Non, le 5 que j'avais bien aimé. J'avais fait le 5 justement et pas le 4. Mais le 4 elle est au-dessus de tout. Et elle, on la revoit un moment dans un Resident Evil. Ah, trop chou. Oui, au charmant. Yo. Sword of Sparda. Who knows? I don't understand. Why would she just... Gotta move. Island's gonna blow. It's gonna what? Je crois que le jeu est fini. Ah, on la revoit dans le 6, mais c'est de la daube. Ouais, c'est ça, hein, le 6, il est nul à chier. Ah non, faut que je parte. Bah, comme à la fin de Metal Gear Solid 1, il faut se barrer. Ouais, le 6, c'était vraiment nul. Le 5, par contre, j'avais adoré parce que je jouais en coop sur Xbox. Et j'avais trouvé vraiment cool. Mais là, le 4, c'est une folie. Ah bah, c'est bien, on peut profiter quand même pour taper un peu notre récit. En plein milieu d'une... C'est marrant, je sais pas si c'est typique des jeux japonais, mais cette échappée-là, finale... Donc il y a ça dans Metal Gear Solid 1, et non je sais plus quel autre jeu. Là ils vont faire le remake du 5 et vont changer la fin du pour le 9 qui est prêt. Remake de 5 ça va être trop ouf, c'est vrai ça? Trop bien. Trop bien, il va être vraiment trop cool à faire en coop avec des randoms. Et aïe. Et j'ai pas fait village, ni le... C'est quoi village? C'est 7. J'ai pas fait le 7, j'ai pas fait le... Ah non ta gueule! Waouh! T'es quoi toi? Oh mon dieu! Ah! Il y a les petits rats. Ah, il faut maintenir. Ah, pardon, excusez-moi. Ah. Allez! Ouais, le 5 ça va être cool. Après, je pense que je vais faire le 7. Je l'ai jamais fait. Il est vraiment cool. Oulala. Ah, oh, il y a le bateau. Ah ouais, non, j'adore. C'est vraiment le final. En mode, c'est bon, on a fini. On va faire du jet ski. J'espère qu'on va pas. Ça, je vais le contrôler. Est-ce que je le contrôle? Et c'est vraiment comme Metal Gear Solid 1. À la fin de Metal Gear Solid 1, on est dans la Jeep. Et il y a sûrement d'autres jeux comme ça où il y a l'échappée finale. Là. Mais là, j'en ai... Ah, putain, par contre, je vais mourir là. Hein. Je suis très mauvais pilote. Donc là, on va à droite. Et c'est exactement pareil. Il y a ce truc d'éviter... Waouh. C'est stylé, qu'est-ce que c'est stylé. Mais quand il est sorti ce jeu, mais les gens devaient être comme des fous. C'est pour ça d'ailleurs que les gens ils y jouent encore aujourd'hui. Ça devait être un truc de malade quoi. Waouh. Tout le jeu est dingue. Ah non. Oh non, c'est tellement moche de mourir là. Surtout que j'ai réussi à battre le boss final quand même. Du coup, la dernière sortie vide prévue devait être en mouvement ouvert. Celui avec les vampires là. C'est village, je crois, le dernier, c'est ça, non? Ah, de vrai, le prochain qui va sortir, tu veux dire. Un monde ouvert? Ah ouais, mais c'est chouette parce qu'il se renouvelle en fait. Donc pourquoi pas. Surtout si c'est avec des énigmes à la Resident Evil, c'est chouette. Ça peut être vraiment cool. Mais c'est vrai que là, en y jouant, je me dis, ils ont réussi à se renouveler, c'est chouette. Le 6, ils ont fait de la merde, mais après, du coup, ils se sont renouvelés, ils ont fait le 7 qui est en première personne. Donc en vrai, bravo aux devs. Oula! C'est stylé. Et ce sera le dernier. Ah ouais?
Je préférais qu'il fasse un... qu'il dise ça des films, qu'il se fasse pitch film. Il y aura tous les antagonistes. Ah ouais, ça va être... Non, tu vas voir, après ils vont faire un, ça va être un MMO. Ils vont faire un MMO RPG. Waouh, avec l'explosion finale, mais c'est tellement... C'est du grand spectacle. C'est dingue. J'ai kiffé. J'ai adoré ce jeu. Je le mets pas en premier de la liste, c'est pas mon jeu préféré, mais il vient de grimper très haut, quoi. Si je l'avais fait à 12 ans, donc attends, il y a 10 ans, donc ouais, j'avais 12 ans, je pense que je serais devenu... j'en aurais fait un culte de ce jeu. C'est le genre de jeu où je serais allé à l'école tous les jours et j'ai fait « Hey, les copains !» Ben non, c'est faux, j'avais pas de copains. Mais j'aurais parlé un peu tout seul, quoi. J'aurais dit « Hey, il est trop bien, Resident Evil 4 !» Ah ouais, c'est le meilleur. Pourtant, j'ai fait le remake du 2 et du 3, et je les ai trouvés vraiment cool. Surtout le 2, j'ai vraiment adoré l'ambiance et tout. Donc je mettrai le remake du 2 à côté. Remake du 1 aussi, mais... C'est pas le même gameplay en troisième personne. Ah ouais, ce final-là... Vers le soleil levant, tel des cow-boys. Merveilleux. Bravo! Ah, un petit twist final. Ça fait vraiment encore Metal Gear Solid avec la petite communication à la fin. Hein. Ok, est-ce que je me la tape ou pas? C'est la question. Est-ce que Léon, il se tape la fille du président? Maintenant, pour le finir en professionnel, c'est mort, tu ne me reverras jamais jouer à ce jeu. J'ai assez sué comme ça. Je pense que le truc que j'aurais aimé faire, c'est peut-être me rendre compte avant qu'il y avait le stand de tir. Je pense que je me serais amusé. Mais il y a hors de question que je fasse en professionnel. Et c'est cool, on se rappelle un peu tous les endroits. Donc on a commencé dans le village. Game Director, je ne sais pas qui tu es, Kazunori Kadoi. Mais t'es un génie. Avec la petite musique, on profite. Je suis trop content d'avoir fait ce jeu. Merci à toi de m'avoir suivi, à vous deux. C'est vrai qu'il y a eu le lac, après on s'est battu sur le lac. Non, c'était une sacrée aventure, mais il y a des moments où c'était bien dur quand même. Hein. Avec les folles là qui ont la tronçonneuse, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Ça, je sais pas qui sont ces personnes. Sûrement Ada quand elle était jeune, elle avait une moustache. Est-ce qu'il va y avoir un petit. Je vais pas couper tout de suite parce que je me demande si à la fin du... J'ai pas fait le DLC avec Ada, non, parce que je fais pas d'argent. Il faut l'acheter. Pourtant, c'est le remake, c'est un peu des salauds, il faut l'acheter. Ça rajoute beaucoup d'histoire ou pas? Je sais pas si ça rajoute beaucoup d'histoire. Je pense si... En fait, j'imagine qu'on doit voir ce qui se passe vers le dernier chapitre du jeu, mais au travers des yeux de d'Ada, c'est ça? Mais tu vois, il y a plein de jeux que je fais et j'adore et au final je me fais jamais des DLC, mais peut-être il faudrait que je fasse. Par exemple, j'ai fait Outer Wilds, ce que j'ai trouvé génial, et j'ai pas fait de DLC d'Outer Wilds. Je pense que j'attends que Great Review le fasse, comme ça j'ai pas besoin de... DLC d'Ada, question, est-ce qu'il était disponible à la première sortie du jeu? Genre, c'est un remake ou alors le DLC d'Ada, c'est un truc tout à fait nouveau qui vient de sortir avec le remake et ça n'existait pas avant? Où il y avait déjà ça avec Resident Evil 4. En fait, je vous demande de Ada au cours du jeu en même temps que Léon. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être grave intéressant. Ouais. Sauf si ça a été rajouté un peu. Non, original, il y était déjà. Ok. Il fallait l'acheter? C'était un truc à acheter? Non, ben non. Il n'y avait même pas le live sur la GameCube. Si, il y avait le live? Non, je crois pas. Si, il y avait le live. Oh, je me souviens plus, ça me paraît tellement loin. Est-ce qu'il y avait des DLC sur GameCube? On pouvait jouer en ligne? Ouais, voilà. Et là, ils nous le vendent. Pas top, hein. Mais bon, est-ce qu'on peut leur en vouloir de vouloir faire de l'argent? Ah, le petit twist. Just one question. What are you planning to do with this? I do not pay you to ask questions. Ouais, peut-être que t'es mal payé. Non, elle est bien payée, elle a l'air d'avoir des fringues de créateur. Il vaut son prix. Bah, je regarderai, merci en tout cas. Merci beaucoup. Expediting that change. Il est connu, lui, je sais plus son nom. So, we're talking millions of casualties. Ouais. Billions. Parfait. Wesker, c'est ça, oui.
Je crois que je me suis battu contre lui dans les premiers. Je sais pas, on se bat contre tellement d'Américains à tête de nazi dans ce jeu que. Je sais plus lesquels. Ah ! Elle va être jalouse. Oh non ! Guitare hispanique. C'est lui le boss. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est le grand méchant. C'est. Trop bien. Merci en tout cas. C'était chouette de pouvoir échanger avec toi. Merci Kiki. Je les connais pas tous, hein. Tous ces gens. Est-ce qu'il va y avoir encore un truc à la fin? Je pense pas. Je pense que là, c'est vraiment les crédits. Passer la cinématique. Est-ce que je loupe un truc si je passe la cinématique? Est-ce qu'il y a un dernier petit secret post. Je passe. Ah si, il y a un petit truc. Tout est bien. Qui finit bien? Happy ending. Et ça y est, elle peut s'en aller. 82 sauvegardes pour 14 heures de jeu. Je suis nul en maths, mais ça fait pas mal de sauvegardes par heure. Une partie B, c'est pas trop mal pour un premier run, quelqu'un qui connaissait pas le jeu. Mafia, ah, il y a des tenues. Ah ouais, après, on peut s'amuser quand même et revenir. À... Masque en polyuréthane, trop bon, trop cool. Du Covid. Chapeau d'aviateur, ça c'est stylé. Chapitre 16, ok. Bon, bah écoutez, trop heureux. Hop. En chargeant les données principales, ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? J'ai écrasé mon jeu, de toute façon, je retournerai jamais. Ou alors. Ou alors pour faire ce fameux DLC. Ah, le fond a changé. C'est pas le même fond. Le mode professionnel est maintenant disponible. Mais il est hors de question que je fasse ça. On a quoi dans les bonus? Je regarde, Pete, Pete fait ça et après je m'en vais. Et après je dégage. Je me casse. Ok, donc on a des tenues. Ah, mais il faut quand même les acheter. Après je suis riche. La tenue originale. C'est celle-là, là, il a sa veste, c'est comme ça dans le 1. Là, j'avais cette veste ou pas? Ah si, au début du jeu, je crois qu'on a cette veste, et puis après... Ça, c'est un modèle. Donc le modèle, c'est juste pour observer. Acheter, elle est détenue de tous les côtés. Ah, j'ai pas débloqué grand-chose, quand même. Hein. Effectivement, je pense que si on a un tryharder, on peut kiffer, essayer de finir le jeu à 100%, mais ça va être galère. Hein. Je pense qu'il va être très galère à finir à 100%, surtout que... Ah, mais... Il y a pas des armes? Si, mais j'en ai débloqué aucune. Avec le rang A en professionnel, ok, donc j'ai absolument rien débloqué en fait. C'est comme si j'avais pas fini le jeu. Ok. Et bah ciao, bye bye. Bisous. Merci. À bientôt, j'espère.